le premier catcheur. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour ce 7ème classique. On ne s'arrête plus, hein. Il est vrai. On est, comment dire, inarrêtable. Voilà, chaque semaine on se retrouve avec vous pour des nouveaux classiques. Le 7ème aujourd'hui. Gros programme, notamment un très gros Vincente Senzavolto. Je vous dis qu'il est très gros, mais je l'ai pas vu. Il n'y a pas encore eu lieu ce soir. Oui. Donc en attendant, on a Blake Anderson qui est un catcheur belge. La Belgique qui est un pays situé non loin de la France. Hein, juste à côté. Oui, voilà. Frontalier. Exactement. Hein, comme le front, par exemple. Exactement. Donc Blake Anderson qui arrive tranquillement avec son titre très serein pour affronter aujourd'hui Christianium qu'on a déjà vu lors de ses classiques. On s'en souvient plusieurs fois d'ailleurs. Pronos. Christian n'a même pas encore arrivé, le voici. Là, voilà, son drapeau, moi, vous savez très bien, pour les catcheurs qui ont un drapeau, Christianium par archi favori pour moi. Donc votre pronostic est déjà là. Oui. Eh bien écoutez. J'écoute. D'accord. Vu ce qu'il vient de faire à cet enfant, je pronostique une victoire de Blake Anderson. D'accord, donc vous êtes pour les enfants, quoi. Je vous ai déjà expliqué 15 fois et demi que le public. À quoi ça sert, quoi. Il est vrai. Cependant, Christianium qui. Ce que j'ai vérifié, part dans des fédérations obscures, le public n'a jamais été champion. En tout cas, la Tiger Pro Wrestling, le public n'a jamais eu un seul titre. Seule victoire d'ailleurs. Hein. Oui, même un seul match, pour être clair. Voilà, donc à partir du moment où on n'arrive même pas à avoir un match, je suis pas sûr qu'on aide. Il est vrai. Grosse ressemblance quand même entre l'annonceur et l'arbitre. Il est champion de la WS, promotion belge. On rappelle, évidemment, on précise, mais le titre de Blake n'est pas en jeu. Non, n'est pas en jeu. N'est pas en jeu, d'ailleurs. Pas mentionné. On vérifie bien que Christian n'est rien caché sur lui. On rappelle, hein, un missile turbo-nucléaire, quelques lance-roquettes, ou bien un char d'assaut, peut-être, caché quelque part dans les bottes. On ne sait pas, et ce n'est pas le cas. N'oubliez pas de déclarer tout objet suspect ou abandonné une fois arrivé dans l'arène. Exactement. 11. Christianium. Il est oui, le chaud, hein. Comme la brise. Christianium. Ouais. Pas trop de blagues. Et toujours le drapeau. Moi, j'ai toujours conseillé de catcher avec le drapeau, personne ne m'a jamais écouté. Je suis pas sûr que ce soit autorisé, il me semble que voilà, l'arbitre va. Comment ça? Bah, drapeau, c'est pas. Ça va, c'est pas un missile turbo nucléaire comme vous l'avez. Par contre, il le laisse aux abords du ring, hein, puisqu'il le met dans le coin, donc. Il n'est pas dans son coin. En cas, c'est à midi, quoi, c'est pas. Il est vrai. Pas dessus. Alors, poignée de main. Salutations à Y Penser, hein, qui est à la caméra sur le vrai côté. Cameo, toujours. Vont-ils se serrer la main? Je pense que non. Je pense pas que. Vous pensez que Christian n'est pas un mec très. Eh ben si, bon, il a craché sur sa main avant. Bon, c'est. Faites pas ça, hein, bien sûr, les distanciations sociales. Non, c'est ça le mot? Oui. Ok, d'accord. C'est parti. Vous êtes des barrières, en tout cas, allez, c'est parti. On va pouvoir commencer ce match. Blake qui prend l'appui, je le rappelle, inutile du public. C'est parti. Directement épreuve de force entre les deux hommes. Ce n'est pas votre ami l'arbitre d'ailleurs, c'est pas votre habituel. Non, ce n'est pas lui. Donc ça annonce peut-être de belles choses pour ce show ce soir. Peut-être qu'on aura un arbitre impartial et pas tous les reproches que vous pouvez lui faire à faire dur des shows. C'est peut-être à cause de vous d'ailleurs que l'autre arbitre s'est fait virer. Hein. On ne devait pas se passer. Peut-être. Ou lui-même à cause de ses erreurs. Attention, allez, là on enchaîne. Bah, Christianium qui part sur plusieurs épreuves de force et qui a l'air de maîtriser son sujet, hein, clairement. Ah, il est en train de s'attaquer, il lui mord les doigts, hein, monsieur Arbitre. Oh, alors monsieur Arbitre qui a directement poussé Christianium. Ça vous plaît, ça c'est ce que vous recherchez. Oui. Ah, bah, l'arbitre sait se faire respecter au moins. Allez, retournement du bras maintenant. C'est Blake Anderson qui va prendre le dessus, qui va choper la tête maintenant de Christianium. Il étrangle. Il est totalement en train d'étrangler avec son bras, il appuie
Exactement, sur la carotide. Toujours personne n'a réussi à prendre le dessus là. Bah, il est vrai, mais ça y est, attention, peut-être le tomber là. Il retourne au sol. Les épaules sont. Non, pas au sol. Et oh là, il retourne la prise magnifiquement. C'est bien fait, Christian qui chope la tête. Avec les genoux. Exactement. Ouais, Black Anderson là qui est peut-être coincé là. Là, il y a peut-être plus de solution là. Christian devrait peut-être pousser un peu plus que d'un étranglement avec les genoux. Ouais, c'est assez difficile de s'en sortir et ouais, il va chercher la solution la plus logique finalement, hein, parce qu'il ne pouvait pas se relever. Les cordes, tout simplement. Exactement, il va chercher les sans cordes. Sans rappel voilà, que toute prise est coupée une fois dans la corde et que l'assaillant a le droit à 5 secondes, ni plus ni moins. Exactement. Et bien, Anderson qui va directement partir encore une fois sur. On retourne dans le bras. Exactement, chope la main là de Christian Young. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est très bien fait ça ! Directement, Eric Arna pour se remettre dans cette position. Christian Young, il a trouvé son petit piège et là en plus il est au centre du ring. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là, très loin des cordes. Bien que Blake Anderson soit quand même assez grand, on le voit, mais. Oui, il a réussi à s'en sortir avec ce saut carpé, attention ! Hop là, au sol. Encore. Il va se relever, Christian Young, il s'est Et oui, la force du drapeau, regardez la force du drapeau ! Oh, mais. Dieu, regardez comment il s'est écrasé Christianium. Il a directement été retourné. Nuke directement sur le. Là, il a eu l'intelligence de partir à l'extérieur. Là, l'arbitre compte, mais il a 10 peu, il va chercher. Donc, ah, le drapeau. Il a tout. Mais voyez ça, c'est un catcher. Enfin, s'il s'en va. Bon. Oui, effectivement, c'est une solution, mais. Il est en train de s'embrouiller avec Axel. Hein. Ah, pourquoi pas. C'est pas lui son adversaire, mais il est en train de son adversaire. Ah, mais pourquoi il n'a pas regardé à lui. Mais bon, il a le drapeau, donc ça va. Il va chercher derrière. Il est misé. Drapeau est pas en train de... Regardez, il met des coups de drapeau. Mais ça, rien de plus efficace qu'un coup de drapeau. Hein. Je sais pas si vous avez déjà pris un coup de drapeau dans votre vie, mais... Non. Ok. Non, vraiment pas. Je peux vous dire que pendant la Révolution... Ah, mon Dieu ! Drapeau aussi se fait guillotiner, là, clairement. Ah oui, maintenant, il en appuie sur les cordes. Attention, peut-être un backstabber, non ? Oula. Ça va faire très mal, ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Mais il enchaîne, en plus ! Il brise Nuke directement sur le genou ! Oh, mon Dieu, mais... Nuke au sol. Ah, c'est fini, là c'est fini. Il a l'intelligence de le tourner dans l'autre sens pour l'écarter des cordes. 1, 2. Écarté, hein. Comment il se relève ? Écarté. Non, écarté qui n'est pas un mot, hein, non. Proprement parlé, ou en tout cas pas dans notre langue. Attention, on va rien faire du tout, on va le relever ou non, même pas. Il s'arrête pas, il va s'acharner sur cette nuque jusqu'à lui casser, jusqu'à lui couper la tête en deux. Oula. 1, 2. En tout cas, s'il lui a coupé la tête en deux, ça n'a pas suffi. Non, il n'y a pas coupé la tête en deux, on le voit. À se dégager, il tape au sol là pour essayer de peut-être se remotiver et récupérer de la sensation. C'est un homme qui a rien à foutre. Blake Anderson qui rappelle fortement Eclipse, pour ceux qui se souviennent d'Eclipse. Non pas le catcher Eclipse, bien sûr, je parle bien de... Putain, chier la ref. De Eclipse l'imitateur, exactement. Très bien. Petit retour en 2011. Par là, 2013, peut-être à la rigueur. Bah, à l'époque du show, quoi. Il est vrai. Et encore même à l'époque du show, c'était bizarre. Non ! On avait déjà oublié. Est-ce qu'à la fin de ce show, on aura là aussi une réconciliation entre les deux ? Est-ce qu'il y aura une marque de respect ? Est-ce que Christian. Est-ce que Christianium. Enfin, je pense en tout cas Christianium. Gagnerait de forts points en gagnant ce match pour affronter Anderson Blake. Pour le. Blake Anderson d'ailleurs, pas Anderson Blake. Pour le titre. 2. Parce qu'aujourd'hui, mis en jeu, il n'y en a pas. On aura un match de championnat. Il dirait, mais celui-là n'en est pas un. Même deux. On aura deux matchs de championnat. Un match féminin. Et. Match exactement. Avec le patron, bien sûr, qui sera là. Oh mon Dieu! Oh là là. Step up and Zuguri. Ouais, c'est peut-être terminé. Regardez comment il est KO là. Il a peut-être pris un peu trop de temps. Un, deux. Maximum, en tout cas, qui domine en long, en large et. Et en travers. De ce match. En long, en large, en travers de ce ring, le match. Exactement, oh attention là parce que là. Black Anderson cherche des solutions mais il n'en trouve pas, il va se réfugier dans les cordes, on rappelle 5 secondes pour Christianium et il va bien en profiter. Hein. Pour ça. Regardez, il est à moitié endormi là. Il a du mal là. Black Anderson, mais regardez. Ah oui, Christianium qui a tenté de faire ça dans le dos de l'arbitre. Ouais, il est les moindres. Oh là, l'arbitre qui est en train de s'énerver, qui vient de pousser Christianium, attention de ne pas prendre un coup, monsieur l'arbitre, quand même, faudrait pas non plus. Ah, il fait régner l'ordre dans ce ring. C'est lui le patron ce soir à Alzone. Il a de la chance que Christianium ait un minimum de respect de ne pas le frapper. Bon, surtout, il va pas se faire disqualifier, j'imagine. Oui, non, c'est quelque chose à éviter quand même. Bon, attention, qu'est-ce qu'il va faire là, Christianium? Peut-être partir pour une souplex. Bon, attention. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il aime beaucoup jouer avec ses cordes. Hein. Oh non, il va pas encore lui. Attention, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Christianium? Peut-être partir pour un coup. 2, 3,
30. Donc tu veux, mais il s'arrête pas. L'arbitre qui essaie de l'arrêter, regardez, il peut rien faire. Regardez cette vitesse. Oh là là. Oh, tu prends jamais, ça va vite. Faut esquiver ça, mon dieu. Deux joueurs pour le backstabber. Oh là là, c'est terminé. C'est terminé. Oh, mais il a découpé. Là, il faut aller chercher le tombé là. Là, après ce qu'il vient de subir, ah, les mecs, Anderson ne sera peut-être pas un, deux. Là, il se relève encore, il se relève, mais le pauvre il ne fait que ça quoi. Exactement. Ça fait plusieurs minutes là que le pauvre se relevait, c'est un peu l'intégralité de son match. Pourtant, son dos doit être dans un état absolument détruit là après. Ah, bon, on le voit bien là, il se tord de douleur dans le coin, il cherche des solutions, mais malheureusement, Christianum va clairement le dessus. Hein. Attention, ça y est, l'esquive. C'est maintenant qu'il faut y aller. Clothesline. Christianum qui s'est fait découper une seconde fois. Christianum qui a essayé de prendre la vitesse, là, c'était pas une bonne idée. Cette fois-ci, il attendait. Oh mon dieu! Oh la manchette! Coup d'avant-bras directement. Oh! Coup de genou dans la. Le menton là directement. Attends! Breaker, il se refocalise sur cette. Nuque. Sur cette nuque. Ouais. C'est peut-être le bon choix. Ça va peut-être lui permettre de gagner le match. Un, deux. Hey. Comment il reste dans ce match? Il y a des petits moments de relance, hein. Notre ami Blake Anderson. Ah, ça dure pas longtemps. Ami, je ne le connais pas plus que ça, mais bon. Bisous à lui en tout cas. Exactement. Malheureusement, Christianum ne laisse la publique, aucun répit. Que, bon, la public contre drapeau, le choix. Drapeau n'est plus visible de l'image. C'est vrai, ça. Drapeau est par terre aux abords du ring. Attention, sur projection. Avec Anderson qui arrive, il passe en dessous, il esquive. Oh, qui est là. En deuxième, oui. Christianum qui se fait surprendre deux fois d'affilée. Attention, Blake Anderson n'a pas fait la même erreur de le faire trois fois. Non, cette fois-ci, l'esquive. Oh, le Spinebuster. Et il est tombé. Un, deux, et. Putain, là, il a eu bien écrasé pourtant, là. Il y croyait, je pense. Il espérait, avec cette surprise, réussir à remporter ce match. Malheureusement, il va en falloir un peu plus. C'est le match qui va durer un peu plus longtemps. Et plus ce match va durer. De la hauteur, là. C'est pas une bonne idée, ça. Plus ça va être difficile pour Blake Anderson. C'est pas une bonne idée du tout, là. Il va tenter une descente du coude, mais. Oh, oh si, c'est parfaitement porté, il a écrasé là. 1, 2, Christianum qui reste dans ce match. Christianum qui est complètement sonné, regardez comment il est tout mou par terre. Il faudrait que Blake Anderson enchaîne, parce que même si, bon, on comprend bien que le pauvre a subi pendant plusieurs longues minutes, mais quand même, faut qu'il enchaîne tant que son adversaire est au sol. Exactement. Il enlève. Plutôt le relever. Projection. Attention, on prend de la vitesse. Le drop kick. Voilà, il a pris trop son temps. Christianum revient dans ce match. Plus vite que l'a fait Blake Anderson tout à l'heure. On relève l'adversaire. Regardez, Blake Anderson a un moindre coup de pied. Réussit à le mettre par terre. C'est Christianum qui est invaincu à la TPW. Mais vrai, est-ce que ce soir sera encore une victoire de plus pour Christianum? Il se permet de danser sur le ring, en tout cas il est très confiant. Pas la meilleure des idées, attention. Très bien. Le tombé. 1, 2, et toujours pas. Oula. Justement, la disqualification. Oh, wow. Regardez l'arbitre. Non, mais c'est ça qu'on veut voir. Face à face. Cet arbitre qui n'en a rien à foutre, qui s'il faut régler des comptes, il réglera des comptes. Au-delà de ressembler à Aiden English. Il est vrai. Attention, il relève son adversaire. Oh, et voilà. Oh, et voilà. Samoa drop là directement. Et oui, Christian. Il faut qu'il enchaîne là. Il perd 15 ans. Il est fatigué, je crois. Mais je te rends fou qu'il soit fatigué, moi. Mais l'arbitre, tu fais quoi? Tu es sauvé. Attention. Christian qui a rien vu, qui est en train de s'accrocher à l'arbitre. Le... Oh mon dieu. Ah bah, c'est ce que vous vouliez, vous l'avez vu. Oh, l'arbitre qui vient de se faire démolir. Clairement. Et attention. Attention, Blake Anderson, derrière toi. Christianum qui l'attend. Oh, et c'est contré. C'est son finish. C'est terminé, KO, mais l'arbitre est KO. 1, 2, et 3, 4, et 5. On rappelle que 3, ça suffit. Hein, oui, 3, ça suffit. On du catch. Hein. Je sais même pas dans quelle discipline. Il est tombé jusqu'à 5 ou 6 ou 7. Mais... Je ne sais pas, mais regardez. Écoute, garçon, fallait pas sauter dessus. Hein, voilà. Hein. Et Christianum qui, dans un sens, était malin pour le coup. Mais ça aurait pu lui jouer des tours si c'était lui qui avait porté son finish sur... Non, mon dieu, le coup de ceinture. Ah bah, elle serait pas venue pour rien, sa ceinture, au moins. Il me fait lui donner un coup de drapeau si on vous écoute. Il va réveiller l'arbitre. Il va réveiller l'arbitre. L'arbitre qui a absolument aucune idée d'où il est. Est-ce qu'il a le moindre souvenir qu'il est en train d'arbitrer là. Un match? Oui. De tomber. 1, 2, et 3. Christianum qui vole cette victoire. Comment ça qui vole? Christianum qui a complètement triché là. Mais qui a mis l'arbitre KO? C'est pas lui.
Effectivement, après. Opportuniste. Si voilà. Je ne me trompe pas, Cristiano va tirer l'arbitre pour qu'il prenne la prise à sa place. Quoi qu'il en soit, on en pensera ce qu'on veut. Bah, c'est une victoire, hein. Cristiano reste invaincu à la Tigers Pro Wrestling. Il est vrai. Et reste sur sa lancée de victoire. Et à un moment, Cristiano, le destin est tout tracé pour affronter le patron. Il est vrai, il est vrai. Le seul et unique Ragnar. Hop. Que l'on verra bien assez tôt dans ce show. Ça reste bien l'impression. Bien l'impression. Non, il profite des caméras. Hein, il a bien raison. On peut tenir le cameraman par un t-shirt. Attention de pas lui. Est-ce que le cameraman a un beau t-shirt? Peut-être qu'il veut lui voler. Hein. Ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai, il oublie le drapeau. Oh, il prend. Non. Ça arrive. Gardez le micro, hein, non. Il a jeté. On voyait Axel aller le chercher. Le match suivant, qui va être féminin, hein, totalement, puisque Eva Summers sera la challengeuse des Loades. Alors, dans notre souvenir, ça s'est rarement bien passé. Mais si, Eva Summers s'est battue, si je ne me trompe pas, dans cette arnaque. Arnaque inqualifiable. Le titre était bien sûr pas en jeu, donc là le titre est en jeu, on se souvient bien qu'Edouane. Ah, il y a une main qui est. Que Edouane va manger Eva Summers. Pas sûr, hein. Pas sûr, puisque peut-être que cette victoire a justement donné de la confiance à Eva Summers. Je m'en détouffe de vos conneries. Non, il n'y a aucune possibilité à ce que Eva Summers. Regardez-la, la peur. Je veux dire, Eloane, elle mange des Eva Summers au petit déjeuner. Ce que je disais, c'était que. Qu'est-ce que ça fait là? Certainement que cette victoire a donné de la confiance à Eva Summers et a peut-être instauré le doute. Instauré le doute chez Eloane. Elle va avoir envie de la manger. Et Eva Summers, elle est là pour danser. Et ben voilà, voilà. Alors ça, c'est comme ça qu'on gagne des titres. Malheureusement, non. Sinon, on serait championne. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un champion gagner un titre en dansant, mais tout est possible. Attention, je me dis, ça a déjà dû arriver dans des fédérations concurrentes ou pas, justement, puisque. Voici la championne. Non, la TPW, c'est jamais arrivé. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu. On peut vérifier encore une fois. Ragnar n'a pas gagné, en tout cas. En danse. Heureusement. Vérifie qu'Eva Summers ne possède pas d'AK-47 sur elle. On ne sait jamais, hein. En même temps, contre Eloane, ça va peut-être une stratégie payante. C'est une vue comme ça. Voilà. Ouais. Regardez comme elle est sereine, elle s'en fout. Elle a oublié qui c'était, Eva Summers. C'est elle la championne. Genre avec le nom, quoi. C'est la réalité encore, elle vient de faire le placement de produit. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle la championne. Non, mais. Ouais, alors, c'est Item est tout premier, hein, bisous à lui. On rappelle, hein. Eloane, on verra son mari. Bah, il est vrai. Bah, il peut être à ses côtés en cas de match tranquille, ce qui va arriver là. 2 minutes, 36 selon vous, victoire d'Eloane en 2 minutes. Ouais, 2 minutes 30, allez. 2 minutes 25. Très bien. Écoutez, je vais pronostiquer la surprise. Et la victoire. Non c'est sans même mal. Plus drôle, c'était une arnaque la première fois, voilà. Non sans mal de Eva Summers. Ouais. Putain, on sait jamais. On va se confier. Puis elle a trouvé une stratégie gagnante la dernière fois, peut-être que réutiliser la même pourrait payer. Mais le titre n'était pas en jeu. Il est vrai, il n'y avait pas le même enjeu, mais bon. Il n'y en a pas. Là, il y en a. En tout cas, encore une fois, on le rappelle, hein, même si. Il se prend même pas la tête de monter sur la deuxième corde, elle fait déjà deux fois la taille d'Eva Summers. C'est vrai. Elle n'a pas l'appui du public, on rappelle. Ça sert à rien. Bon, elle n'a pas de drapeau non plus. Hein. Ah, attention. Parce que, là, on est sur une part égale, quoi. Eva Summers, c'est l'appui du public. Mais malheureusement, l'appui du public ne l'empêchera pas potentiellement. Allez, on l'attrape là. Ne réduira pas la puissance des coups, voilà. Voilà, ça c'est du catch, ça, voilà, grosse patate là. Enfin, grosse patate, pas d'amalgame, hein, j'ai des coups qu'elle mettait, hein, pas de. Oh, coude. Pied, attention, il va se verser, qui va peut-être prendre le dessus, mais non. Tant, ah, Dieu.
Ah mais elle a trouvé la stratégie, hein, s'attaquer à la base. La base d'Eloan. T'es sorti la cuisse. J'ai déjà expliqué que j'avais pas de titre. Deux. En dansant. Si on peut appeler ça une danse, hein. D'après l'arbitre du précédent show, c'était une danse. Si, regarde, attention, corde. Il va se lancer. Qui arrive, qui est passé en dessous, qui s'est esquivé, qui va prendre Eloan de vitesse. Ah, t'as de me faire mentir, elle va se mercer ce soir. Et oui, elle a réussi à prendre Eloan de vitesse, attention. Oh, crossbody, ouais, mais elle s'est fait choper. Crossbody, mais elle s'est fait choper. Regardez la facilité. Peut-être tenter de tomber, hein. Après, bah, elle va l'écraser, elle va marcher dessus. Oh, mais non, pire, t'es trop. Regardez, le visage d'Eva Summers. C'est un massacre. Et lui, elle s'est croire. Elle a laissé mettre quelques petits coups. Je pense qu'elle s'est faite surprendre, hein, Eloan, au début de ce match. Terre, après, voilà. Là, on revient à la réalité, là. Non, ça va. Descend du coude. Peut-être maintenant le tomber. Eloan qui va déjà tenter de finir ce match. 1, 2, 3. Bon, Eva Summers qui reste dans le mais match. Elle est mazour, Eva Summers. Bah, attendez, Eva Summers qui a l'occasion de sa vie, hein, finalement. Va-t-elle réussir à la saisir? On ne sait pas. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a mérité cette occasion. En tout cas. Oui. On se rappelle de ce match entre les deux. Ces coups de pied là, ils sont en train de plier. Regarde-moi ça, la coupe en deux. L'arbitre qui va être obligé d'arrêter. Cela dit, si la coupe en deux, ça devient un match handicap. Ça peut pas être facile pour Eloan. Si la coupe en deux, je pense qu'il y aura d'autres problèmes que le match. Regardez-moi ça! Un blou-blou, hein, littéralement. C'est ça que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Projection dans les cordes, attention. Oh mon dieu! Eva Summers qui vient de se faire écraser, là. Littéralement. Bon. Sol. Prise de soumission. Oh oui, attention, parce que là, la puissance des jambes d'Eloan. Il va falloir aller la faire lâcher, là. Parce que regardez-moi ça. Eloan, elle est pas près de... Regardez comme elle passe son bras. Non, dieu! Par contre, ça, on n'a pas le droit. On lâche tes cheveux, madame Eloan. Toujours un très bon arbitre, j'ai un sur arbitre. Il est vrai, l'arbitre qui pour l'instant est irréprochable. Attends, mais il met un doigt dans le nez. Faut arrêter là. L'arbitre qui est obligé de répéter deux fois Eloan. Ouais, mais elle est enrhumée, y a pas de mouchoir et c'est quoi avec ce qu'on a, quoi. Après, qu'en cas de disqualification, c'est Eloan qui conservait son titre. 1, 2. Oh, c'était malin ça. Hein. C'était très malin, ça a failli surprendre Eva Summers, s'attendait pas à prendre un tombé de cette manière. Alors, on enlève l'adversaire ou pas? Non. Oh non. Bref. Des coups de pied là, écrasé par le centre du ring là. Si Eloan venait à tenter un tombé, c'était très compliqué pour Eva Summers de se relever quand même. Eloan qui est en train de préparer son spear, hein, totalement là en affaiblissant le l'abdomen. Exactement. Voilà, attention, 1, 2. Eva Summers qui se dégage. Hein. Il faut y aller pour aller se dégager après ça. Il faut être taré surtout. J'aurais pas mis les pieds dans ce ring. Sans doute pas, attention. Eloan qui a projeté la Summers dans le coin. S'écraser, regardez. Ouais, comme les cordes. Bam ouais, voilà le spire, hein. Clairement des cordes bélier. Il y a comme le ring tremble et c'est pas la faute d'Eva Summers, ça. C'est vraiment Eloan qui est en train de la démolir tout simplement. Eloan qui met très peu de force dans cette projection, mais ça suffit largement. Ah, attention, Eva Summers qui va prendre de la hauteur. Ouais, enfin, elle va essayer en tout cas. Elle y arrive. Tenter Hurricane Rana, tout à l'heure elle en a placé un, mais là. Oh non, oh non, oh non, oh non. Pour la bombe. Oh le tombé c'était terminé. 1, 2 et oh. Non, c'est deux. Je ne sais pas comment Eva Summers résiste. Hein. C'est pas terminé, mais en tout cas c'est violent. Pas loin de l'être, hein, je pense. Malheureusement pour Eva Summers, je pense que mon pronostic était complètement faux. Ouh. Ça fait des minutes qu'elle se fait malmener. Elle ne trouve aucune solution. En tout cas, toutes celles qu'elle trouve sont contrées par Eloan. Qui va revenir à cette prise. Hein. Ouais. Encore là. Eloan d'ailleurs qui fait, je pense, une erreur. Tirant les cheveux de son adversaire ou en lui mettant le doigt dans le nez, parce qu'elle pourrait maintenir cette prise en coupant la respiration de son adversaire et remporter le match. Hein, regardez, parce que là, l'arbitre est obligé de lui dire d'arrêter. Ouais, mais c'est la pure humiliation, c'est tout ce qu'elle mérite. Oula, ce qu'elle vous a fait. Mais elle a la prétention d'aller gagner ce titre, vous voyez bien. Que... Ouais, quoi. Attends, on peut pas l'endormir là. Et là, il y a Summers qui va. Summers qui va perdre connaissance, là, c'est impossible de rester consciente après ce qu'elle est en train de subir. Ah, et là, par contre, ça c'est bien connu que personne n'a jamais remporté un titre en perdant connaissance. Oui, vrai. Ouais. 1. Bah, c'est dégagé. Et regardez, bah, Eva Summers, je sais pas comment c'est dégagé, hein, parce que là, en tout cas, elle est pas prête de se relever. Regardez-moi ça. Littéralement, Eloan qui est en train d'affronter un corps inerte actuellement. Passe dans les cordes.
encore ça, on l'a déjà vu dans le match précédent. C'est encore une fois illégal. Illégal peut-être pas, mais en tout cas interdit dans le match. Pas sûr qu'il y ait une loi qui précise qu'il est interdit de trembler quelqu'un dans des cordes. Il y a des règles en tout cas. Exactement. Oh, attention, l'arbitre, regardez, qui a pas peur ni de Christianium, ni d'Eloane. Hein. Qui hésite pas à se faire respecter par. Ouais, les... Fatalement, ça a pas payé d'empêche. Oui, effectivement. 2, 3, 4, 5. Oh, c'est... C'est terminé! Eloane qui se fait disqualifier! Pourquoi? Pourquoi faire ça? Bah, elle avait le match en main. Tout ça pour vous donner votre prono juste, quoi. Putain. Il est vrai, mon pronostic est juste victoire d'Eva Summers. Mais évidemment, Eloane qui reste champion et qu'on n'a pas fini. Eva Summers, complètement KO. Ouais, c'est bête comme fin de match quand même. Effectivement, Eloane qui n'avait pas besoin de se faire disqualifier, hein. Eloane qui avait largement le dessus. Son titre n'était pas du tout en danger là, depuis quelques minutes. Là. Ah, pour le coup, elle va conserver son titre et elle en profite tout de même hein, pour repartir avec la tête de. Eva Summers quoi. Oh, ah, le spear est contré, Eva Summers. Ça suffit cette fois-ci à faire tomber Eloane. Non, le match est fini, c'est ça. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait ? Elle peut tenter de tomber, elle le sait pas, je pense. Elle a pas compris, elle était KO. Elle a pas compris que le match. Bon, attention. Elle a pas compris, Eva Summers, que le match était terminé par disqualification. Attention, peut-être un DDT. Non, il fallait pas, il fallait partir, Eva Summers. La petite tube. Attention, le spear ! Dépé sur place. Ah non, Eva Summers, fallait partir là, hein, tant qu'elle en avait l'occasion. Eloane qui aura beau célébrer ce match, elle l'a perdu. Par disqualification, mais certes. Le titre, elle a conservé. Bon, après. Oui, bon. Effectivement, comme je disais, son titre n'était pas en jeu, c'était pas une raison pour terminer le match sur disqualification, oui. Il n'y avait pas de. Le titre était en jeu. Oui, non, ce que je veux dire, le titre n'était pas en danger. Ah oui, pardon. Oui, effectivement, le titre n'était pas en danger, mais au final, le résultat est le même. Je pense qu'après ce spire et ce meurtre, on n'est pas prêt de la revoir. Et voilà, elle se barre. La championne. Qui vous dit qu'on n'est pas prêt de la revoir? Le suspense, c'est de toute façon. Pas Roxy Sport et Rassumer. Elle me fait un peu de la peine quand même. Hein. Je la bâche depuis le début du match, mais. Elle a au moins le courage, quoi. C'est moi, comme je le disais tout à l'heure. Je ne serais pas à aller sur ce ring, ni pour catcher, ni pour arbitrer, ni pour. Commenter. Moi, ce que j'aurais fait à commenter sur la chaîne, c'est ça. Le concept, assis sur un courant. Rassumer, c'est qui. Qui arrive quand même à repartir toute seule. Non, ça va. Ouais, qui est notre prochain? Ah, ouais, directement. Le match pour le titre. Entre Jefferson et Ragnar. Le patron. Bon. 1m90, 125 kg. Ragnar. Ah, Jefferson, il est sur une bonne lancée quand même, il a une maîtrise du catch qui peut s'aligner face à un poids lourd, ça va pas être facile. Si je me trompe pas, il s'était retrouvé hein, dans le tournoi pour le titre. Hein, il me semble bien. En finale, je crois bien. C'est un peu le rematch, la revanche pour Jefferson. Est-il de préciser que le gagnant avait été Ragnar. Oui, bien sûr. Et Ragnar qui va certainement partir favori s'il arrive avec son drapeau. C'est pas le cas, hein. Pas de raison d'arrêter son drapeau. Je sais pas pourquoi il sent, mais bon. En tout cas, Jefferson, lui, qui n'est pas venu avec un drapeau, qui est venu avec. Ouais, rien du tout. Sa petite veste. Qui est venu avec rien du tout, mais qui a quand même une chance ce soir de repartir avec un titre. Comme d'habitude, on s'il n'y a pas des grenades, exactement, des ustensiles. Ou même un boostone, hein, qui pourrait écraser son adversaire. Surtout face à Ragnar, il peut en avoir besoin. Ouais, mais beaucoup plus, si tu veux. Caché dans la veste. Tous les rails, etc. Irait. Mais non, on va accueillir. Je me souviens de cette fois. Ah, il a bien pris le drapeau. Son drapeau, Ragnar. Je me rappelle de cette fois. Ah, et il vient avec Eloane. Donc double champion, couple de champions, c'est incroyable. Exactement. J'allais raconter cette anecdote où une fois un catcheur n'avait pas été contrôlé. Il s'est vrai qu'il avait un tyrannosaure dans la chaussure. Qui n'avait pas disparu donc. Non. Après quelques mutations génétiques, il a pu en créer un, hein, comme dans Jurassic Park. Très bien. Et un peu à. Et il avait gagné le match, j'imagine. Tu as besoin de la manger. Pourquoi c'est Eloane qui monte sur la. Prends le micro, prends le micro. Non, prends pas le micro. Juste, elle nous montre. Elle intronise le patron,
le patron, le champion, tout ce qui finit en on, quoi. Le patron, le champion, le garçon. Les garçons, le pantalon. Ce pantalon, il n'en a pas. Oui, mais enfin, il n'est pas non plus. Certes, ah non, pas dans la tenue. Certes, il a le drapeau entre les hanches, mais il n'est pas en kilt. Ah. Il est vrai. Oui. Oh là, il a repéré quelqu'un en public ou quoi avec son En tout cas, Ragnar. Ragnar qui est très serein quand même. Il est vrai. Comme à son habitude d'ailleurs, je me rappelle pas avoir vu Ragnar stressé devant un adversaire quoi. Effectivement. Et même Jefferson avait l'air assez confiant quand même. Hein. On sait quand même qu'il avait réussi à le mettre à mal hein, dans le. À mal, rien à voir avec un mal multiplicateur. Il est vrai. Qui était présente au dernier, je dis pas on de. On verra pas cette surdité. Mais oui, il avait réussi à mettre à mal Ragnar, mais ça n'avait pas suffi pour tes titres. Est-ce que ce soir, il va réadopter la même technique? On rappelle qu'attention, parce que Eloane à l'extérieur peut quand même avoir un rôle à jouer. On rappelle qu'elle vient de se faire disqualifier dans son match, donc elle n'hésite pas à utiliser des tactiques frauduleuses. Donc elle pourrait venir à aider Ragnar, si tant est qu'il en ait besoin, oui, pour remporter ce match. Mais attention aussi de ne pas énerver Ragnar, parce que peut-être que elle, ça ne la dérange pas de perdre la disqualification, peut-être que Ragnar. On a du mal à le supporter pour son ego. C'est vrai. Une défaite face à Jefferson, même par disqualification. Bah déjà, perdre le titre, ça serait pas cool. En l'occurrence, c'est pas une disqualification, il ne perdrait pas le titre. Sur Ragnar, sur un gros règne, on se souvient de sa victoire, notamment face à Tristan Archer, si je me rappelle bien. Donc voilà, de gros adversaires. Jefferson lui-même, donc... Gros, peut-être pas par le physique. Ah non, clairement par le... L'envergure. Catchesque. Par le catch. Jefferson qui lui a plus un côté lutteur qui va être quand même compliqué à appliquer. Enfin, en place, oui. Ça va pas être facile d'amener au sol, enfin je veux dire porter une German Suplex à Ragnar. Bah d'autant que dans la lutte traditionnelle, hein, gréco-romaine, j'ai envie de dire, il y a des catégories de poids. Dans aucun cas, dans oui. ce sport, Ragnar viendrait affronter Jefferson. En l'occurrence dans le catch, pas de catégorie de poids. Exactement. En tout cas pas la Tigers pour la signer. Exactement. Ouais, parce qu'on va avoir un serre. Déjà on va récupérer la ceinture. Sur l'arbitre. Fin de la présenter. À Jefferson et au public. La voici, ceinture de champion de la TPW. Et je le remensionne une nouvelle fois, mais le drapeau. Drapeau qui est placé cette fois-ci judicieusement dans le coin de Ragnar. Exact. Présente la ceinture à Jefferson. Bah, Jefferson est là. C'est un jeune catcheur, hein, Jefferson. 21 ans, vous imaginez. Ragnar c'est la connaît. Plus jeune que moi. Plus jeune que. Corina aussi. Plus jeune Corina. Allez, vont-ils se serrer la main? Moi je pense que oui. Pour un sticker, je dis non. Voilà. Peut-être qu'il va nous faire une Christian. Voilà. Ouais. Ils se sont passé le mot. Ah non, lui, par contre, Jefferson, lui. N'est pas con. Geste est barré. Ah bon. La disqualification, ça vous a plu? Très bon match. Là, t'as pas encore commencé, on ne peut pas encore y avoir de disqualification. On a tellement rien pour pourrait démolir l'arbitre. Est-ce que vous imaginez cette soirée quand même? On a déjà eu un match pour un titre. On a eu un gros honneur avec un champion dans le match quand même. Là, on a le match pour le titre et c'est loin d'être fini. Hein. Et ouais, c'est oui. La soirée est loin d'être finie. Que gros match ce soir, enfin loin d'être fini, je sais pas si c'est le terme quand même, mais. Ragnar qui va déjà sortir du ring. Il y a des décomptes à l'extérieur et des disqualifications dans ce match. Donc si Ragnar est compté 10 secondes à l'extérieur, ce sera terminé. Il perd le match, mais il conserve le titre. Qu'est-ce qu'il est parti chercher la... Qu'est-ce que c'est? C'est la ceinture d'Eloane, non? Ah, il insinue donc que Jefferson... serait plutôt champion... féminin. Champion. Ouais. Ça a énervé Jefferson, ça. On va faire PW. Attention, projection. Ouais, c'est pas la même... C'est... Ouais. Passe en dessous, le drop kick. C'est bien... Oh mon dieu. Ragnar qui est passé entre oh les là, corps. Oh là, on va partir pour un topé. Bon, mon dieu. Quelle vitesse d'exécution. On a réussi à prendre Ragnar de vitesse. Attention, projection. On remet dans le ring. Et Jefferson qui, voilà, qui nous montre quand même que avec ses atouts, il va peut-être réussir à... Tant qu'il ne rentrera pas dans le jeu de Ragnar et qu'il gardera son rythme, il pourra s'en sortir. Ouais, regardez, il a réussi à le ramener au sol, là, le petit paquet. C'est Ragnar sur l'arbitre qui a failli se bouffer Ragnar. Encore tombé. Enfin, se bouffer Ragnar. Pas en termes, 1, 2. Attention, hein. Il faut y avoir collision peut-être, mais je suis pas sûr qu'il ait failli de manger. Ouais. Parce que... Attention. Ouais, Jefferson qui a réussi à rester debout, hein. Malgré ce épaule contre épaule. Ouais, après, il est. Mais d'ailleurs, c'est lui qui s'en sort le plus. Pour... Ouais, c'est oui. Ah, Jefferson, il est vraiment dans son match. Hein. Ouais, vraiment, Jefferson il maîtrise ce qu'il fait, il ramène encore au sol. Le tombé, ça pourrait marcher hein, sur ses tombées. Ouais. Plein de rapidité. Jefferson, vraiment, qui est dans son match. Il maîtrise tout, il anticipe bien les mouvements. Projection. Coup de pied, pardon. Projection.
attention, il n'y a pas sorti sur 30 cordes. On va partir faire ça. Ouais, de toute façon, attention là, pas partir sur vraiment trop de coups et de force pure, parce que là, Reinhard, il va gagner, il faut continuer sur la vitesse, l'agilité. Peut-être la montée, ça peut être une bonne idée, mais attention, ça peut aussi ne pas payer. Ouais, voilà. Mais regardez, il atterrit bien sur ses pieds, il anticipe parfaitement. Là, il se projette de nouveau. Non, oh, là, il a rien anticipé du tout. Là, c'est allé. Là, clairement. Une poutre directement dans la face de Jefferson. Il doit être plus grand que la tête de Jefferson. 1, 2, Alouane qui est quasiment autant dans ce match que. Mais Reinhard qui quand même ressemble à être. Enfin. Commence pardon à être conscient de ce qu'il attend quoi. Ouais, mais, là, mais alors là, dans la tempe directement. Donc. Mais le... Regardez, Jefferson qui tombe les deux épaules au sol là. Tant. Crucifié. Ils sont tombés. 1, 2. Jefferson qui arrive à se dégager. Et Reinhard qui va prendre quelques secondes pour réfléchir là à ce qui vient de se passer en ce début de match. Ouais, bah prendre son souffle aussi un peu parce que. Parce que lui qui arrivait quand même très confiant en tant que champion, ça aurait pu très mal se passer. Attention, il va choper Jefferson peut-être partir pour une souplex. Il n'a pas lancé, hein, littéralement, il l'a lâché. Jefferson ah oui, clairement. Va s'écraser au sol. Il n'a pas maintenu ou quoi, il a vraiment balancé. Et là, c'est là que ça va commencer à être difficile pour Jefferson. Parce que maintenant, Crackdown a réussi à instaurer son rythme et sa force. Regardez-moi ça. 2. C'est là que ça va être compliqué pour Jefferson pour revenir dans ce match. En plus, si à la manière d'Eloane, Reinhard profite de. Ben voilà, des petits. Des petits. Comment dire. Petits tournements à la règle, quoi. Ouais. On remarque que l'arbitre n'a pas hésité à rentrer dans le contact physique avec Reinhard pour l'empêcher de se faire disqualifier. Non, on a un arbitre très concerné ce soir. Bien que ça lui ait coûté face à. Attention. Pour le match face à Christianium, attention. Oh oui, il atterrit ses pieds. Ah oui, on salue Dom Tom. C'est ce que j'allais dire, attention. Tu il enchaîne. Bisous à Guillaume le Perse, le fils de Guillaume le Perse, Francis Mister. Attention, il tente de le soulever. Ce que je vous disais tout à l'heure, porter une German Suplex qui est quand même la spécialité de. Sur Reinhard, faut y aller. Attention, sur Reinhard qui va. Dom Dieu, Thibaut, une Suplex directement. Oui, mais Jefferson qui a eu un spasme. 1, 2, franchement. Reinhard qui se couche sur la ligne tranquillement. Je pense que un peu essoufflé aussi hein, et un peu fatigué parce que mine de rien il a quand même subi un petit peu beaucoup moins que Jefferson. Ça, très enchaîné. Maintenant il va l'étrangler. Attention, ne pas faire la même chose qu'Eloane tout à l'heure. Et voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, Eloane. Oh, elle s'est fait cramer. Arbitre qui a tout vu cette fois-ci. Pauvre Jefferson, déjà qu'il est nez à nez avec quelqu'un qui fait deux fois son poids, si en plus on lui rajoute Eloane sur le dos. Qui fait aussi plus ou moins sa taille et son poids. Hein. Oui, si ce n'est plus. Enfin, le pauvre a pas, pas une soirée facile, ça va, pas être, ça va vraiment pas être simple pour lui d'aller chercher ce titre. Quoi. Attention, il a esquivé, parti pour un Canrana, magnifiquement exécuté. Et Reinhard qui fait quand même quelques erreurs dans ce match, hein, parce qu'il avait réussi à instaurer son Il se laisse surprendre, Et en ramenant la vitesse à Jefferson, il a attention, super kick. Pourtant, super kick, Reinhard, il est obligé de le mettre à genoux, quoi, que ce soit une taille cohérente. Quoi. Attention, Reinhard qui n'est toujours pas couché au sol. Ah, mais là, ça a peut-être le cas. Prendre de la hauteur, ça peut lui porter préjudice ou au contraire. Attention, je dis, mais d'habitude il a parfaitement anticipé. La vitesse, mon dieu! Là, ça va encore plus précis qu'autre chose. Jefferson qui arrive sur. Il s'est fait exploser. Ouais, Eloane qui demande 3. Bon, Eloane, effectivement, qui chipote parce que. Ragnar, quand même, est bien dans son match, même si là il y a eu un redressement de Jefferson, mais quand même, on n'est pas. On n'y est pas. Il est pas faux. Jefferson qui le pauvre, voilà, même quand il se relève, même quand il revient un peu. Alors là, c'est pas. Le problème, c'est qu'un coup de Reinhard égale 10 de Jefferson. Ouais, surtout que regardez. Ouais. Il fait reculer, tituber. Et il y a de la chance, Jefferson, que Reinhard soit un peu fatigué, parce que je pense qu'une patate comme ça de Reinhard en pleine face. À vif, oui, c'est. Bah, déjà, vous voyez bien. Ils n'ont pas la même réaction l'autre. Bah, là, voilà, c'est Reinhard qui va tenir debout Jefferson, clairement. Ouais. Bah, oula. Oh là là. Attention. Ah peut-être. Bah, vous voyez, tiens, c'est peut-être ce qu'il y a. Pour arriver à déjà soulever Reinhard, mais alors le faire passer par-dessus sa tête. Il peut complètement oublier Jefferson. Oh mon dieu, il a la télé couille.
Oula, il y a eu le carambolage de mots dans notre phrase. Attention. Après lui avoir la télé coup, l'arbitre qui n'avait rien vu. Oh là 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 là. Reynard qui va se laisser tomber sur son adversaire peut-être. C'est terminé. 1, 2 et non. C'est Jefferson qui est vaillant. Parce que moi, dans ma vie, une fois je me rappelle, je me suis pris un coup dans les couilles. Oui. Et véridique que je... Déjà, j'ai pas eu besoin de me prendre une powerbomb pour ne pas me relever. C'est bon, Jefferson qui réussit. Jefferson qui est complètement sonné. Je ne sais même pas s'il sent encore cette douleur dans les couilles, hein, littéralement. Tellement il est dans un état lamentable à tout niveau. Son cerveau a du mal à suivre ce qui est en train de se passer. Là, regardez-moi ça, il est en train d'essayer. Ah, mais là, ça a duré. Clairement, il est remonté dans les yeux. Là. Regardez-moi ça, il n'arrive même pas à utiliser ses bras pour se relever. Il a une deuxième power bomb. Ouais, ça pourrait être. Ouais, ce serait fini. Bah, voilà, il annonce. Il annonce. Il va soulever Jefferson qui va se faire écraser. Oh là, mais vous avez vu comme il a joué. Non, non, ça a été contré. Ah, il lui a écrasé la tête. Je pensais que Ragnar avait lâché Jefferson, mais c'est Jefferson qui a réussi à se dégager. Il s'est auto-lâché, fait qu'il a emporté Ragnar plutôt avec lui, disons. Pour lui écraser la face au sol, attention. Oh. Ah, Jefferson qui a quand même dû subir un peu là, il arrive à enchaîner quand même, attention. Et le bulldog. Putain, là il va s'acharner sur la face. Mais Ragnar qui s'est écrasé le visage, il était pas prêt. Ah, faut pas perdre de temps là. Et Jefferson. Jefferson qui a eu l'intelligence de tenir la tête de Ragnar, cette powerbomb, pour l'amener au sol avec lui. Ramener là, ici à faire tourner Ragnar pour le mettre assis, mais ça aura pas servi à grand chose. Super kick encore. Peut-être un autre, attention. Ragnar qui est debout mais qui titube. Les genoux qui commencent à lâcher. Super kick. Ragnar qui se retrouve dans le coin maintenant. Il a réussi à se retenir. Faudrait que c'est en coin. Attention, il arrive à pleine vitesse. Jefferson, super kick encore. Et là, cette fois-ci, Ragnar qui est au sol. Allez, allez, Jefferson, c'est maintenant. Attention! Ah, il est parti pour le splash! Moonsault! Magnifiquement exécuté, elle est tombée! 1, 2! Toujours pas, mais on voit que Ragnar est clairement en difficulté là. Jefferson devrait continuer, oui, c'est ce qu'il fait. Il va pas perdre de temps dans ce match. Faut profiter que son adversaire est un peu drogué, les coups de pied là. Ton attention! La vitesse! Qui arrive et qui s'est chopé par Ragnar! Ça met un drop. Peut-être sa prise de finition d'ailleurs. Et non, 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 c'est contré. La German! Oh mon dieu! C'est maintenu! Et loin de Garitan! L'arbitre qui a tout vu, l'arbitre qui a tout vu! C'est terminé, disqualification encore! C'est pas possible, tous ces matchs vont se finir en disqualification! Oh, c'est pas possible! C'est pas possible, Jefferson qui avait le match en main, je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit qu'Eloan ne devait pas être aux abords de ce ring! Pourquoi elle n'a pas été interdite aux abords du ring? Combien il va falloir de matchs à Jefferson avant qu'il ait un match clean, le pauvre? Surtout qu'elle avait déjà intervenu dans le match, l'arbitre l'avait vu. Elle l'était déjà, ça. Je sais pas, le français qui prend un coup dans la gueule ce soir. Et voilà, maintenant ils vont s'acharner à deux. Allez, il faut que quelqu'un vienne. Voilà, il faut que la police arrive. Il faut envoyer quelqu'un. Hey, c'est Eva Summers. Eva Summers, bon, c'est pas la police, mais c'est Eva Summers, ça fera l'affaire. Je suis pas sûr. Si, regardez ça. Eva Summers qui arrive à surprendre Eloan. Hey, Jefferson qui revient du coup aussi. Super kick! Oh le dieu! S'est fait balancer à l'extérieur avec ce clothesline. Et regardez qui reste debout au final quand même. Hein. Jefferson et Eva Summers, les deux gagnants finalement de leur match. Hein. C'est vrai. Les deux ont remporté leur match. Ni l'un ni l'autre n'a remporté le titre. Jefferson, il se trouve très bien accompagné. Hein, parce que au final, ça ne vaut pas plus qu'une ceinture. Je sais pas. En termes d'argent, je ne pense pas. Non, effectivement, parce qu'on ne peut pas vendre Eva Summers. Clairement. Une figurine peut-être d'Eva Summers, oui. Eva Summers elle-même, non. Ragnar qui se barre avec son titre, évidemment, puisqu'il a réussi à le conserver. Oui, grâce à Eloan, dans un sens. Hein. Ah oui, bah, totalement grâce à Eloan. Grâce à Eloan. Personne n'aurait Eloan. Et ce soir, on aura un match entre ces deux équipes. Et oui, un match par équipe mixte entre Ragnar et Eloan. Dans le main event. Exactement, entre Eva Summers. Ah! Il y a Ragnar qui nous raconte tout ça. Axel. Et qu'il explique qu'il veut affronter les deux. C'est qu'il est pas très serein entouré de. Pour Ragnar et Eloan en même temps qu'il le serait. Hein. Parce que là, il suffit qu'il le décide. Alors, le champion me voilà. Le fait vous dire. Match qui est officialisé entre ces deux équipes. Même, je sais pas si Ragnar ça lui convient cette défaite. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il propose ce match par équipe. Histoire d'avoir une victoire clean cette fois-ci.
Il y a Jefferson qui est déçu, le pauvre. Hein. Il était bien dans son match, il aurait peut-être même gagné hein, sur ce dernier tombé qui a été interrompu. Ah bah, il était bien parti pour, il avait placé sa German Suplex sur Reinhardt, fallait aller la chercher déjà celle-là. Évidemment, Eloane s'est arrangé. Jefferson. Vous attend sur le ring. Voilà. Ouais, deux qui sont faits avoir. Ils sont faits avoir, pas de chance. Bon, et Vasseumers. Eh, parce que là, quand bien même ils arriveraient à gagner le. Oui, le match par équipe. Oui, le match par équipe, ça ne leur donnerait pas les titres. Ah non. Mais. Qu'est-ce qu'ils font Donc là, déjà, ils méritent leur rematch, je sais pas. Senza Volto qui sera dans le prochain match. Exactement, pour affronter nul autre que Vincente, que voici. Keep cab and kick. Everybody. Everybody, parce que peut-être l'arbitre, le public, nous peut-être. Ah non, je suis. Je m'empêcherai pas de ce ring presque une seconde. C'est l'arbitre de prendre un coup de pied. C'était qui Senza Volto qui salue la patronne. Il est le guerrier du peuple. Ça paraît assez logique. Peuple de salure. De salure. De salure. De salure le peuple. Contraction entre saluer et saluer. Il ne salue pas. Peut-être un petit arrivé à ça, donc c'est pas. Oula. Toujours une entrée virevoltante, j'ai envie de dire. C'est bah, comme ces matchs, hein, c'est ce qui s'annonce ce soir. Hein. Pas de titre en jeu pour ce match. Ça aurait pu, ça le mérite. Et maintenant, mais on sait bien sûr que de véritable enjeu, en tout cas pas d'enjeu. Mais on sait comme d'habitude, voilà, le vainqueur de ce match marquera clairement des points exact. Pour potentiellement affronter le champion Ragnar. Bien que le match ne soit pas directement un match de champion. Non, il n'y a pas de stipulation particulière à ce match. Et on va accueillir l'adversaire de Senza. Qui sera nul autre que Vincente, le voilà. King of Kicks. Que voici. Vincente qui va lui aussi saluer le public. Hein. Donc là, quel est votre pronostic? Puisqu'on n'a pas de drapeau, les deux ont l'appui de la foule. Ouais, c'est compliqué à pronostiquer. C'est compliqué à pronostiquer, mais Senza Volto est en grande forme. Ouais. Vincente aussi. Je vais pronostiquer Senza Volto. Pronostiquer Senza Volto, bah écoutez, je vais pronostiquer Vincente. Code de 2 est à domicile en plus. Souvent, quand on commente les shows, ils sont pas. À Marseille, donc Vincente, pas de Marseille, mais qui est Aix-en-Provence, plus à domicile. Or là, à Alzone, personne n'est à domicile, donc. Si ce n'est le public d'ailleurs. Le public est à domicile, finalement. Effectivement. Mais voilà, Vincente n'est pas réellement favori dans ce match. C'est un match très équilibré, les deux ont à peu près la même expérience. Hein, le gabarit est aussi similaire. Gabarit similaire, style un peu différent, puisque on rappelle Vincente, hein, comme son nom l'indique, King of Kicks. Oui, alors que Senza est clairement plus dans l'iFly. Exactement. La voltige, les sauts périlleux. Exactement, le style le plus mexicain, hein, d'ailleurs, d'où ce masque. Oui, totalement, le masque, rien que le nom, Senza Volto. C'est le hommage catch mexicain. Oui, oui. Lucha Libre, hein, tout simplement, alors que Vincente, il rend hommage au coup de pied. Oui. Très bel hommage. Plus le catch, plus le taekwondo au final. Exactement. À ma gauche. Ah non, avec le catch, mais Vincente et ceinture. Ne me demandez pas quelle couleur de taekwondo. Il a une ceinture. Actuellement, ce soir, il n'a pas de ceinture de champion. Il a une ceinture, oui, il a une ceinture pour tenir son patron. Il est vrai. Parce qu'il empêchera pas mal de monde de faire la blague. Son slip, une botte pour une ceinture, voilà. Pour le coup, Vincente. Ah, il n'y a pas de ce genre de personne n'existe pas. Mais oui, encore en 2020, hein. C'était Senza Volto très respectueux qui a produit son adversaire. On va avoir un match dans. Bande et couché. Oui. On va avoir un match là dans le. Les règles de l'art. Dans le respect.
Amitié, respect, foot de rue. Exactement. Vous avez un pronostic J'ai des pronostics Kevin, c'était. Très bien. Pas de serrage demain, même si on a parlé de respect. Ah si, peut-être. L'arbitre le demande, en tout cas. Cette fois-ci, il y sera. On dirait qu'il est totalement un catcheur mystérieux. Hein. Il vient d'une... Bah, il vient d'une destination inconnue. Donc, qui sait, peut-être que cette destination inconnue est Talzone. Voilà. Très belle marque de respect entre les deux. Les deux adversaires qui s'applaudissent. C'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est sport. C'est sport. Ça, c'est ce qu'on a envie de voir, ça. Un match qui se fera dans l'esprit. Au moins, celui-là ne terminera pas par disqualification. En tout cas, on l'espère. Ah oui, bah oui. Il manquerait plus que ça, tiens. C'est parti. Full qui applaudit le match, tout simplement. Oui, clairement. Alors qu'il n'a pas commencé, bon, c'est quand même... C'est parti. Il se retape dans la main sans demande de l'arbitre, quoi. C'est vraiment... C'est fair play. Respect total, les deux se respectent. Ils se sont beaucoup entraînés ensemble, hein, on peut dire. Du coup, ils se connaissent pas mal. Attention, parce que ça nous a fait une sensation prendre. Mais attention, coup de pied directement en save. Vincente. Oh, il est parti dans le... Parti dans le foie, ce coup de pied ou quoi pour... Je pense que Sanzan, il s'y attendait pas aussi vite, aussitôt. Ah, ouais. Ah, en même temps, Vincente qui a donné un coup de pied en se retournant. Donc Sanzan n'a pas pu le voir venir. Senza feinté les bras de force. Kick or kicks, donc forcément, tu mets ce coup de pied, ça a de l'impact, ça va vite. Et voilà, Senza. Senza qui se roule bien, le Kanana. Style. Chacun qui démonte son style. Hein. Attention, il passe en dessous, il va prendre la vitesse. Comme on dit, projection. Senza qui a pas le temps de prévoir des coups de pied. Oh, attention, Senza qui s'est mal récupéré sur les cordes, mais qui a réussi à bien enchaîner. Même si là, c'était mal parti. Ouais, Senza avait tenté quelque chose sur les cordes, malheureusement. Attention, on prend par le coup. Tentez peut-être de calmer Eric, mais c'était pas une bonne idée pour Senza. Vite, bah, enfin pour les deux d'ailleurs, hein, les deux. Ils donnent quand même beaucoup le rythme. King of Kit qui donne un coup d'épaule. Qui a pas eu grand effet sur Senza, puisque Senza a réussi à se. Bah, ça a fait rire vite, ça en fait. Se relever assez facilement, encore un. Et Senza qui se relève encore. Senza qui fait exprès de les encaisser ou quoi, ces coups de bélier. Ouais, Senza, bah, il marque des points psychologiquement en montrant voilà que. Au final, les prises de. Ah, oh, ouais, là, il a pas eu le temps. Et Vicente qui hausse les épaules. Ah, il va pas se faire avoir 15 fois non plus. Oh, il retourne, regarde à quelle vitesse. Oui, attention, par contre, là, il s'est fait surprendre. C'est bien fait, hein. Senza qui, à tout moment dans le match, peut d'un coup faire passer de la vitesse de 0 à 100 et surprendre son adversaire. Ça, je sais pas, mais. Si. Très bien. Projection dans les cordes, c'est une erreur de Vicente de faire venir Senza directement. Si vous deviez comparer Senza Vito à une voiture. Sur le stand moonsault, il a essayé de l'esquiver, ça n'est pas passé. Je pense qu'on est sur un beau moteur de Ferrari. Hein. Ah, juste le moteur. Ah, oui. Il n'y a pas toute la carrosserie qui va avec, parce que sinon c'est un petit peu compliqué sur le ring. Adepte des si ce n'est pas un Transformer, quoi qu'on ne sait pas d'où il vient, donc peut-être qu'il vient de. Attends, la ville. Ah, voilà, clairement, la planète même. L'Optimus Ville. Exactement, projection dans les cordes. Non, un coin, pardon. Un coin, oui, totalement. On va se projeter à son tour. Et c'est contré par Vincente. Il passe par-dessus, il s'est retenu. Et tant. Voilà, kick of kicks qui prend un coup de pied. Il va monter sur la troisième corde. Sa spécialité. Et le king of kicks ne l'immunise pas des coups de pied. Oh non. Et ben voilà, Senza. Je suis en plein vol. Il annonce que c'est terminé déjà. Un, deux. Pas terminé, Vince. Pas se précipiter non plus. Non, il a raison, il faut tenter. Ah, il faut tenter, oui. Pas perdre de temps. Taux de Senza là. Entre les deux omoplates, c'est très bien placé par Vincente. Ouais, Vincente qui est finalement en train d'installer un faux rythme. On sait que face à Senza, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Oui, il a déjà fait l'erreur en début de match de le projeter dans les cordes et de permettre à Senza d'accélérer d'un coup. C'était une erreur, il l'a compris. Maintenant, on va relever Senza par le masque indirectement. Hein, ah, ouais. Pas lui arracher. Fourchement peut-être, non, c'est... Fourchement écrasant au sol, attention à tomber. Un Senza qui se dégage. Le mec est un peu KO quand même. Ouais, c'est drogué, hein. Vince, il s'arrête pas, il met des coups de pied encore. Sa spécialité, on le répète. Ce qui est... L'avantage de Vince, c'est qu'il arrive à placer ses coups de pied partout et de n'importe quel angle. Il les maîtrise parfaitement. Ce qui fait que Senza, en général, ne s'attend pas. C'est un coup de pied. Attends, toi, la prétention de s'appeler King of Kicks, quand même. Il est vrai, voilà. Par exemple, là, Senza ne s'attendait pas à se faire plier en deux dans la 5-1-2. Et... Senza qui reste dans ce match. Vincent essaye, là, il a réussi à s'imposer un petit peu avec ses coups de pied, ses prises, ses placements qui sont très très bien effectués. C'est vrai. Et Senza qui n'a pas le temps, là, ça y est,
suffisait que je le mentionne pour Senza prendre la vitesse. Attention, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Attention, Senza qui prend la vitesse. Oh, mon dieu, face. Il est monté très haut là. 1, 2, et. Je sais pas, mais ça aurait pu. Senza a mal anticipé hein, parce que vu à la, la hauteur, j'allais dire vitesse. Non. Vu à la hauteur où est parti Vincente, il aurait pu passer au-dessous. Est-ce que vous avez votre parole totalement ce soir? Oh, qu'est-ce qu'il annonce là, Vince? Peut-être la mise au sol, là. Qu'est-ce qu'il va faire, Vince? Qu'est-ce qu'il prépare là? Attention, il prend peut-être un petit peu trop de temps. Donc, juste au sol, le coup de dos. Oh, Senza qui est un peu perdu. 1, 2. Senza qui essaie de secouer sa tête pour reprendre ses esprits. Eh ben Vincente qui va s'arranger pour que ça n'arrive pas en l'étranglant. Ouais, Senza qui demande l'appui du public. Pour essayer de se relever. C'est en train de marcher. Senza qui est en train de se relever. Vincente qui ne veut pas lâcher la prise. Il va essayer de le forcer dans son coups de coude. Attention Vincente. Il a réussi à rester sur ses appuis. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Attention, Jujigatame. Jujigatame qui est porté, attention. Ah oui, Senza qui a réussi à aller chercher les cordes avec ses pieds, il a eu la chance, hein, parce que là, cette prise, on ne survit pas très très longtemps avant d'abandonner. C'est vraiment qu'il retourne le coude, le bras et l'épaule. Oui, à total. Oui, projection des cordes dans le coin, pardon, encore une fois. Tu coup de chenou. C'était qu'il allait jeter dans l'autre. Ouf. Encore une fois dans le coin. Tu es en train de détruire Senza Volto, attention peut-être partir pour une souplexe. Mais il dirait qu'il enchaîne, elle tombait. 1, 2. Senza qui reste dans le match. Oh, attention! Directement! Il part dans les prises de soumission. Pas du tout. Plus ou moins. 1, 2. Il a réussi à se dégager, Vincente. Et en se dégageant, il a écrasé un petit peu Senza. Ouais, Vincente qui a le dessus dans ce match, mais ça ne suffit pas. C'est vrai. Donc, peut-être pas assez de coups de pied ou de prises assez. Puissante. Donc, ce coup de pied dans le domaine, elle a bien fait mal à Senza. Qu'est-ce qui va partir là, peut-être pour une soumission. Ouais, Boston Crab. Ouais, totalement. Totalement Boston Crab. Les cordes sont très loin pour Senza, mais il arrive quand même à ramper encore. Après, Vincente, les soumissions, ouais, c'est pas sa spécialité. Regardez comment il prend le temps. Il a l'intelligence de le ramener au centre. Ouais, là, par contre, là, il se fait retourner. Ouais, mais il suffirait, quoi. Attention, Senza qui se relève. C'est même dangereux, hein, parce que si Vincente c'était assis sur Senza, il aurait pu faire le tomber. Et peut-être remporter le match. Exactement, il n'y a pas de soucis. Non, attention. Senza qui arrive. Oui, il se fait contrer par Vince encore une fois. Il contre encore une fois Senza qui arrive à passer derrière Vince. Attention. Ah, il va s'accrocher au corps. Il est parti tout seul, Senza. Qui s'est relevé parfaitement. Oh, 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 la puissance qu'il a mis dans ce crossline. 1, 2. Tout juste 2. Senza qui n'arrive pas à trouver de solution. Même quand il met un peu de vitesse, Vince qui est prêt. C'était ce qu'on disait dans la similarité des styles de ces deux hommes. Mmh. Vince est pas suffisamment, suffisamment plutôt à l'aise avec la vitesse pour arriver à contrer toutes les tentatives de Senza. Et oui, parce que d'habitude, quand Senza affronte un catcher, peut-être certainement avec un plus gros gabarit, certes, mais avec des capacités moindres en termes de vitesse, il peut les surprendre. Mais alors là, face à Vince. Attention, Vincent, t'es. Voilà, c'est peut-être fini. Donc, depuis tout à l'heure, je disais qu'il faisait pas de prise assez puissante. Tout en là, il a clairement écrasé. 1, 2, et non. C'est pas la fin, seulement 2. Il retente, hein. Encore 1. Et non. Toujours 2. Senza qui essaie d'attraper quelque chose dans les cordes, peut-être. Malheureusement, il est vraiment au centre du ring. Il est complètement drogué. En même temps, cette prise était vraiment très dévastatrice. Ouais. Vincente qui, du coup, par contre, le pauvre est à court d'idées. Il ne sait plus comment venir à bout de. De Senza, quoi, même s'il a pas passé son Indiegari. Ouais, et puis je trouve que même en tant que King of Kicks, il pourrait un petit peu plus appuyer avec les coups de pied. Et peut-être que justement, il utilise des stratégies différentes pour surprendre Senza. Et attention, il a sur ses épaules, il va repartir. Oh non, il a parfaitement surpris là, il a envoyé. Là, c'est bien fait, là, c'est bien fait. Faut pas qu'il s'arrête, Senza, faut qu'il reste dans sa vitesse, un dropkick. Là, ça y est, Senza qui reprend un petit peu du poil de la bête avec deux dropkicks. Il faut continuer là pour essayer de mettre Vincente dans le mal. Vincente qui arrive à pleine vitesse et là c'est bien fait. C'est très bien fait par Senza qui arrive à prendre le dessus, qui a peut-être tenté de tomber pour remporter ce match. 1, 2 et. Vincente qui reste dans ce match. Mais qui est en train de se faire surprendre et qui est en train de perdre cet avantage qu'il avait. Senza à toute vitesse, sur le Kanrana, magnifiquement exécuté.
Enfin, attention, Senza, parce que là, ça aurait pu partir en pop-up powerbomb directement. Ouais, mais là, on a plus l'impression quand même que dès qu'il arrive à le choper avec ses jambes, là, il maîtrise son sujet, quoi. Il n'a pas encore été contré à ce niveau-là, que ce soit par une, bah, comme vous dites, par une powerbomb ou quoi que ce soit d'autre. Il s'en donnait... Un, deux... Non. Simplement deux. Qui a réussi à se dégager. Senza qui est quand même à bout de souffle. Ouais. Bon, il a beaucoup subi dans ce match, mais... Pied, donc c'est clairement un coup d'arbre. Attention, Senza qui va monter. C'est lexique des membres du corps. Attention, Senza, le... Oula, non. Oh oui, oh. Il avait mal calculé la... Ah, il a tenté de... Oh, il avait mal calculé la trajectoire, mais un, il s'est bien calculé deux. Deux. Je pense qu'il avait anticipé le contre, surtout. Effectivement. En tout cas, il est bien enchaîné avec ce standing shooting star press. Qui était très bien exécuté. Mais qu'il a aussi énormément fatigué, cet enchaînement, Senza. Oui. Bon, ça a aussi bien touché Vincente, même si ça n'a pas suffi pour porter le match. Mais Vince qui va se retrouver debout avant Senza. Je suis pas sûr de cette information. Je non, mais en même bon, temps. Oui, quelques secondes d'écart. Il reprend de la vitesse. Oh, c'est esquivé. Il le ramène au sol. Face directement à la première. Tombé. Contre le ring. Un, deux. Et... C'était qu'il n'en prend pas ses yeux, hein, qu'il se prend la tête. Ouais, ouais, il sort toutes ses armes. Hein. Attention à partir. Oh, il a brisé le dos, la nuque là, il est tombé. 1, 2. Cameron peut nous aider un peu là parce que l'arbitre ne voit rien. C'est vrai. Senza aurait pu choper les cordes qu'on n'aurait pas vu. Et bien, Senza qui va peut-être trouver une solution en haut la troisième. Ah là, il va partir dans le domaine de Senza. Si, est-ce que c'est une bonne idée? Vous doutez bien que si Senza s'est exécuté ses prises, il sait aussi les contrer, mais pas là apparemment. Crossbody, c'est retourné par Senza. C'est retourné, 1, 2, et je mens. Senza qui revient dans ce match petit à petit. Là, il a voulu rentrer dans son jeu, c'était pas une bonne idée. Se esquiver. Il l'a ramené au sol, il lui a explosé le dos. Là, il va retenter de tomber. Il nous sort des 1, 2. Ouais, il est obligé d'élargir son catalogue de prises, hein, Vincente. Catalogue, son arsenal de prises. Et ouais, catalogue marchait aussi. Ouais. Ouais. Vincente qui est obligé d'aller puiser dans des ressources. Maja, il reprend un peu son souffle, hein, quand même. Il va partir pour des coups de pied là. Ouais, là, il est prêt. On a vu cette garde de boxeur un peu. Et ouais, on parlait de taekwondo tout à l'heure. Sport de contre. Oh là, il partait pour son finish, c'est contré. C'est contré dans l'autre sens. Oh, Zugari, magnifique, magnifique, c'est terminé. C'est terminé, regardez comme Sensei est totalement KO. 1, 2, et non! Et le 360 kick qui a pas réussi à. Non, c'est pas possible. Mouche. Là, Vincente, il va vraiment être à court d'idées là. Bon. Il a encore ce 360 kick, hein, qui n'est pas passé. Peut-être le retenter en surprenant Senza cette fois-ci. Parce que là, Senza était par terre, mais en se relevant, il a vu Vincente qui se préparait. Ce qui l'a pas empêché d'encaisser cette mesure. Bon, c'est parti pour un enchaînement là. Ah, les deux quand même commencent vraiment à être. Ils savent même pas être debout quoi. Ils sont à genoux en train de s'enchaîner de coups d'avant-bras. Allez, Vince prend l'initiative de se relever. Face de Senza. Face de Vince. Marcel les coups de nouveau, mais debout. Ces coups d'avant-bras, il y en a un qui va finir par lâcher. Il y en a un qui va finir par tomber KO. Qui ce sera en premier? Est-ce que ce sera Vince ou Senza? Oh, Vince là qui est parti. Oh, il va décoller la tête. Il se relève sur le paquet. Oh, ce second souffle! Bon, fait. Oui. Il est automatiquement KO derrière, mais. Ah oui, en même temps, on a eu un magnifique roundhouse kick là de. Il rentre pas du bon côté, Senza, là, il devrait tenter de tomber. Je sais pas, les deux hommes sont KO, l'arbitre est en train de compter, attention, à 10 secondes. Ce match finirait en match nul, égalité. J'ai à 6? Non. Si on a 7? Si on a 7. On est à 8. Oh, les deux hommes qui se relèvent en même temps, projection. Là, ils auront un peu pris leur souffle. Ça évite Senté. Ça évite Senté, 4 sur 8 qui enchaîne. Oh, il a tenté de passer son enchaînement de kick. Enfin, de kick et de coups en bras. Souffle. Oh non, c'est contré. Bon, coups en bras, enchaînement. Regardez la vitesse d'exécution de Vincente. Ou crossline. C'est très rare de voir quelqu'un aller plus vite que Senza dans un enchaînement. 1, 2. 2. Et non. Toujours pas Vincente. Voilà, qui, vous voyez, il s'en arrache les cheveux. Aussi court soit-il. Là, mais... En tout cas, Senza ne peut pas. Non, c'est une très mauvaise idée de s'arracher le masque. Ouais. Même si l'arbitre ne voit rien. Attention. Il ne se passe rien. Je vous avertis au cas où il y a encore un saut carpé ou quelque chose comme ça.
C'est gentil de nous prévenir de faire attention. À quoi, on sait pas. Si vous arrivez sur un ring de catch, méfiez-vous. Attention, parce que là par contre, c'est Senza qui doit faire attention. Non, maintenant c'est Vince. Avec son corde. C'est un petit coup de pied, un chat de coup de pied, projection. Ça va très très vite, Senza. Il passe en dessous. Attention, body scissor. Et le bulldog, magnifiquement exécuté. Il a pas vraiment écrasé. Il devrait tenter de tomber là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est KO lui aussi. Hein. Il a juste à poser sa main là pour tenter un petit tombé. Regardez la vitesse à laquelle il se déplace. Allez, mais. Oh. Un, deux. Eh oui, il a pas trop de temps. Il a clairement pris trop de temps. Mais comment peut-il aller porter son finish d'une surprise dans l'état où il est? Je ne sais pas. Il faudra un troisième souffle, hein, vu que le second il l'a déjà eu. Exact. C'était par contre, il prend en croix au milieu du ring. Il a complètement KO là. Je sais pas comment il s'est dégagé, hein. C'était littéralement du réflexe comme il vient d'avoir là, alors que personne ne faisait le tomber. Ouais, c'est Zach qui s'en arrache pas les cheveux, puisque il ne peut pas, mais il se frotte la tête quoi. Ah bah il y a partout son finish. Ouais, sur le dos, ça fait d'autant plus mal en plus. Hein. Enfin, je pense qu'on a deux cas, ça fait pas du bien. Mais... Regardez, il monte même pas comme d'habitude, il monte comme il peut là, corde par corde. Je sais pas s'il va réussir à arriver sur la troisième. Et ouais, mais en tout cas, Faut qu'il enchaîne parce que Vince il va revenir là. Vince il revient. Oh, cette droite. Mais la Vince qui est pas prêt par contre. Oh là, si il est prêt. Tu percutes là, vous dans avez la tempe hein, directement. Quelle puissance d'y arriver en partir pour une superplex. Attention. Qu'est-ce qu'il faut? On va finir à l'extérieur là-haut. C'est extrêmement déséquilibré. Qu'est-ce qu'il faut? Mon dieu. Oh, les deux hommes sont détruits là. Si Vincent arrive à porter le tombé, je pense que c'est fini. Malheureusement. Vous voyez l'état dans quelle idée. Et ça continue, ça va être très compliqué parce que là, lui aussi a beaucoup subi dans cette ça prise. Ça tombée. Est tombé. Un, deux. Et non. Bah, Senza, de toute façon, qui a les pieds sous la corde. Je sais pas s'il l'avait avant de se dégager. Hein. Oui, mais bon, voilà, dégagement plus pieds sous la corde. Assez serein. Mais bon, Vincent qui a l'intelligence d'enchaîner. Enfin, l'intelligence et la foi, surtout la force. Ouais. Projection en coin opposée. Peut-être qu'il prend la vitesse, le dropkick. Vous avez vu là. Quelle vitesse, il est venu s'écraser sur lui. La souplex maintenue. Ah non, pas trop maintenue non plus. Parfaitement exécuté. Un, deux. Et non. Vous avez vu toutes ces prises que Vincent n'a pas forcément l'habitude d'exécuter et qui. Ouais, qui l'emploie. Vincent qui sont pleins de la vitesse de compte de l'arbitre. Il pensait qu'il y avait 3. C'était qui hallucine complètement, hein, qui est en train de regarder Axel, attendre qu'il annonce sa victoire. Malheureusement, non. Oui, il demande même au public. Savoir, il a toujours pas son thème song. Donc... Il est vrai. Il y a un gosse qui était horrifié du fait que ce ne soit pas terminé. Hein. Selon lui, il y avait 3, il avait compté 3. Hein. Seulement. Projection à l'extérieur du ring. Ah, attention. Non, mais Vincent qui n'a pas tenté un topé quand même. Là, il sortirait vraiment de son domaine. Mais... Eh si. Regardez-moi ça. Si. Il va y aller. Non, c'est contré, mais il se. Oh, c'est contré ça aussi. Oh, soit extérieur, Senza qui va, lui par contre, pas essayer de chercher à l'extérieur. Il va reprendre son souffle dans le ring. Ouais, il n'arrive même pas à se relever, donc... il se relève, il aide des cordes, là. L'arbitre est en train de compter Vince. Et il va tenter, mais c'est lui qui va tenter de sauter à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'est bien fait. Ah non, c'est... Ouais, par contre, à l'extérieur du ring, là, pour tenter de tomber, c'est mort, hein. Ah oui, bah, il pourrait tenter de gagner par décompte à l'extérieur, ce serait dommage, hein. Ce serait dommage après un match pareil, quand même. Ou ce serait encore plus dommage, ce serait un double décompte à l'extérieur, ce serait vraiment de la peine, quoi. Puisqu'il y en a. C'est un match simple. C'est ça qui arrive à remonter sur le ring. Et puis, regardez-le, il... En c'est plus, aussi, quand hein. Il porte des prises, quoi, là, il puise toutes ses forces, le pauvre. Il devrait tenter des moves un peu plus simples. Il porter des super kicks tout à l'heure très efficaces. Attention. Il a tenté un topé là. Non, oh mon dieu. Il a chopé en plein vol. Ah oui. Senza qui a. Pied directement dans le torse. Senza, Vincente, qui demande l'appui de la foule. Il va peut-être cette fois retenter de sauter à l'extérieur. Cette fois-ci, ça passe. Crossbody. Il n'y a aucune protection au sol là. Y'a rien, là c'est clairement le sol. C'est ça qui s'est explosé par terre. Et voilà la salle dans laquelle on est pour tous ceux qui ont déjà fait du basket dans leur vie, qui ont chuté en tentant de faire un dunk à la Michael Jordan alors qu'on était absolument pas basketteur. Alzon. Savent la douleur qu'on endure en chutant là-dessus, donc imaginez en se prenant un Vincente sur la face en plus. C'était en plein sur le dos en plus, attention, Vincente qui va aller. Sur un point de corde, encore une fois, rentrer dans le domaine de Senza. Et ça a marché, hein, finalement, hein, tout à l'heure, avec ce soir extérieur. On monte sur la deuxième.
Senza. Alors, peut-être qu'il rentre sa superplexe qu'il a subi tout à l'heure. Oui, clairement, voilà, c'est son objectif. Peut-être un Hurricanrana. Attention. Hurricanrana. Attention. Oh, il a, vous avez vu comme il a emporté loin là. Il va aller chercher. Vous avez vu, parce que il va aller chercher cette fois-ci, il est motivé. Tomber. 1, 2, et non. Quel match. Quel suspense, on sait pas comment ça va se terminer ce match. Et Senza, il y croit pas, regardez-moi ça. Senza aussi qui puise jusqu'au bout de ses forces, quoi. Non, mais quasiment sur une égalité parfaite là en termes de chance entre les deux hommes. Là, il va attendre son finish. Et... Ah, même pas. Son finish depuis les cordes. Qu'est-ce qu'il va tenter? 450 peut-être. Là, il annonce. Senza qui l'annonce. Qu'est-ce qu'il fait? Oh Dieu! Mon Dieu, genou sur les cordes, c'est terminé peut-être. Mais c'était un. 2! Non! Oh là 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 là, un 2, 3 quarts. Après, et encore 2,90. Senza qui fait une erreur là aussi en réalisant cette prise et se tomber très proche des cordes. Est-ce que vous pensez, est-ce que Senza il aurait pas dû le ramener au milieu du ring là? Là, Senza qui va nous faire se tomber. Après, dans un sens, effectivement, cette prise nécessitait d'être près des cordes pour être porté à pleine puissance. Oui, mais il aurait pu après le ramener. Là, il est vrai, il aurait perdu du temps. Mais voilà, en parlant de perdre du temps, Senza qui a pu se projeter. 360 kicks. Voilà, c'est terminé. Il a parti sur sa prise de finition. Non, ça y est, Senza qui est fini. 1, 2, 3 victoires. Victoire de Vincente au terme de ce match exceptionnel. Senza qui est passé à ça de remporter le match. Et malheureusement, il s'est fait surprendre à la fin en deux prises. Hein, Vincente qui a réussi à. Après, il a lâché ses deux finishes. Il est vrai. Les deux n'ont pas du tout démérité. Hein. Non, ça, c'est sûr. Mais par contre, Vince qui s'est sauvé en attrapant cette corde. Oui, Vince clairement. Qui a sauvé son match en une fraction de seconde. Plusieurs fois, de toute façon, les deux ont sauvé leur match, quand même si dans les finales, Senza, c'est vraiment pour lui, par perdant. Quel match! Pas démérité, en tout cas, deux hommes qui se sont respectés jusqu'au bout. Oui, tout s'est fait dans le respect, dans les règles. Amitié, respect, foot de rue. Il est vrai. Sur moi, d'ailleurs, on voit une nouvelle marque de respect entre les deux. Hein. Même si Senza, pour l'instant, pas prêt de se relever. Bah, il va l'aider. Ouais, il tire par le masque là. Non. Bah, tenir de manière. Katches, qu'est-ce qu'il fait? Il peut lui tirer la main. Hein. Oh, qu'est-ce? Victoire de Vincente, mais quel match! Quel match! Au final, les deux ont gagné quelque chose. Hein. Au final, ils ont gagné le. Respect de tout le monde. Belle amitié, qui sait, peut-être qu'un jour on verra les deux en équipe. Il est vrai. C'est qu'il veut dire quelque chose peut-être, non? Non, c'est Axel qui nous rappelle que. Donc, qui encourage le public à encourager Senza. Enfin, féliciter Senza Volto. Peut-être qu'on a un t-shirt, un petit placement de produit pour lui-même. Continuez. Ah, là, il vient de dire. Ah, le coup de Vincente. King of Kicks. Senza, reste là. En début d'année, j'ai contacté ce mec pour qu'il vienne faire un match dans ma fédération. Il était sous-exploité dans son ancienne fédération, je lui ai donné une chance. Depuis, il est devenu un véritable pilier. Un catcheur sur qui on peut compter à TPW. Je peux dire que t'es pas que le futur de la fédération. T'es également le futur des catcheurs en France. Ouais, belle marque de respect, belle marque d'amour. Si ça tease pas ce que je vous disais tout à l'heure là. Une équipe royale entre les deux. Moi j'y connais rien. Jérôme, t'es où? Je voulais dédier ce match et même toute cette soirée à Jérôme qui a fait un excellent boulot pendant 8 ans. Merci à toi pour parler de catch. Merci de nous avoir fait vivre ta passion pendant 8 années. Bravo. Je voulais
également remercier tous les habitués qui viennent, qui suivent la TVW. Je parle bien sûr de Direct Wrestling. La salle Family. Merci surtout au FEP Dalton, qui chaque année nous accueille. Merci au staff de la TPW, parce que sans le staff, il n'y aurait pas de show. Et il y a 3 ans, dans cette même salle, j'ai effectué mes débuts contre mon mentor, Marc Sibir. Peu de gens s'en souviennent. On était là dès le début. Donc ça fait 3 ans d'affilée que je viens dans cette salle. Et je voulais tout simplement vous remercier, Alzon. Merci d'être un public super, vous pouvez vous applaudir très fort. Ouais, joli speech de Vincent T, on va enchaîner avec le main event, hein, qui sera match. On a enchaîné là, 2 main events, hein, de toute façon. Oui, c'est vrai. Très gros match entre ces deux hommes, Senzai Vince, et un gros match entre le patron et Jefferson. Et là, justement, Jefferson doit pouvoir prendre sa revanche, même si bon, c'est lui qui a gagné, on s'est compris, contre Ragnar et Eloin. On rappelle qu'il avait déjà affronté cette équipe, mais avec Johnny Hogger. Cette fois, sera avec Eva Summers. Ben voilà. Ragnar, le patron, champion de la Tigers Pro Wrestling. Eloan, champion de la FRPW. Jefferson, champion de rien du tout. Eva Summers, non, Jefferson, de... non, P. C'est un point d'interrogation, je pense. Et Eva Summers, champion de rien du tout. Non. C'est qui le patron? C'est Ragnar. C'est qui? Les champions, c'est Ragnar et... Il y a Ragnar qui a son t-shirt, non pas... C'est qui le patron, mais c'est qui le champion? Ouais, et ben, pour l'instant, c'est toujours lui malgré cette victoire par disqualification. Ouais, bah, de toute façon, ce soir, ça restera lui. Oui, je rappelle que les titres ne sont pas en jeu dans ce match. Ça aurait pu être une bonne idée de remettre les deux titres en jeu dans un match par équipe. Puis dire Ragnar et Loan d'avoir gagné leur match par disqualification. Puis même mettre pas de disqualification. Mais c'est, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que ça va être une mauvaise. Se retrouver sa disqualification face à Ragnar. Et ouais. C'est que son corps est une arme, alors c'est en plus. C'est en plus, on lui en donne, quoi. Il ne peut pas, mais en tout cas, on le laisse faire. Toujours est-il que ce n'est pas le cas, ce match n'est pas sans disqualification. On sait pas trop à quoi s'attendre, vu que les deux. Les quatre protagonistes ont catché. Bon, Ewan et Vassemer, ça fait un petit temps maintenant. Ouais. Une bonne heure, quand même. Et. Ragnar, c'est quand même plus récent que ce match à Jefferson. Match dans lequel il a quand même subi. Hein. Regarde-moi ce couple magnifique. Ce couple de champions. Pas de... Et maintenant. Ah ben, ah, voici un vrai couple de champions, quoi. Les... Leurs adversaires. C'est vrai. J'ai pas d'exemple. Ce sont les premiers. Dolph Ziggler et Edge. Le creuser, mais. Même pas sûr que j'étais champion en même temps. Non, mais. Oh, je dis vraiment que. Peu importe. Si un punk est Jimmy, peut-être. Peu importe. Pas le sujet. C'est le sujet de ce soir, c'est Jefferson et Eva Summers contre Eloan et Ragnar Rock. Qui jouerait cette soirée. Un pro aussi. Bah, je pense que là, Jefferson et Eva Summers, c'est en équipe, ils ont rechargé. Franchement, je pense que s'ils gèrent bien leur match, vu ce qu'ils ont montré dans le match, dans leur match respectif, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais vous suivre. Bah, je change d'avis alors. Je crois que vous alliez très loin, hein, donc je vais pas vous suivre non plus des kilomètres, mais je vous suis ce soir aussi. Un itinéraire, bien sûr, pas de problème. À ma droite, comme dirait Magic System. Oula, très belle référence. Merci. Musical. Quand est-ce qu'on invitera Magic System sur un show, quoi, j'ai envie de me délecter d'une performance Magic System à l'entracte. Ah oui. Ce catcher à droite avec un top song chanté par Magic System. Ça, ça me dit du rail. Gros doute. Peut-être dans des jardins, mais en tout cas, en Tigers Pro Wrestling, c'est jamais arrivé. À ma gauche. Dieu merci. En venant sur le sérieux. Sur ce match. Mais Eva Summers qui. Mais ils sont confiants, hein. Ah oui. Enfin, Jefferson a l'air très concentré.
Il est vrai. Et peut-être énervé aussi, hein, d'avoir. Oui, bah oui, forcément, il doit avoir la rage quand même. Mais déjà, il était très concentré en ce match précédent. On s'en rappelle qu'il voilà, il anticipait bien ses mouvements. Il est vrai. Il était dans sa maîtrise, il perdait pas de temps. Il vraiment. Jefferson qui prend de plus en plus en expérience, en talent, en tout, quoi. Et ouais. Tout. Un catcheur qui progresse, qui ne stagne pas. Bah, d'où le fin, voilà. Il ne démérite pas ses matchs de championnat. Comment dire Anodinement. Je ne sais pas si ce mot existe. Je pense que non. Mais il sera validé pour ce soir. La VAR valide. Est-ce qu'on va avoir une poignée de... On rappelle qu'on en a eu dans aucun des deux matchs. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une. Hein. Évidemment, non. Ce sera Eva Summers contre Eloane pour commencer. Les deux les plus... en forme actuellement, hein, vu que comme vous l'avez dit, le match a eu lieu il y a plus longtemps. Après, Eva Summers a vraiment subi quand même. Autant Eloane joue bien, Summers se rappelle qu'en plus elle s'est fait détruire après le match et aussi. Ouais. Et autant Jefferson contre Ragnarok, Ragnarok s'est fait disqualifier dans un moment où il était en difficulté, autant Eloane elle l'a choisi. Elle se fait disqualifier dans un moment où elle n'était pas du tout en difficulté, elle était en train de maîtriser Eva Summers. Ah, et Et c'est parti, Oh. Mais bon, après, Jefferson a quand même bien suivi dans le match. Hein. C'était pas un match à sens unique. Il est vrai. Eloane, qui va directement faire usage de sa force, hein, qui a bien raison. C'est comme ça qu'elle a toujours fait. Il n'y a pas de raison de changer aujourd'hui. Tel Ragnar, d'ailleurs. Est-ce qu'elle va faire rentrer Ragnar face à. C'est la Summers. Je suis vraiment sadique de rigoler de cette éventualité, quand même. Si je ne me trompe pas, dans le cas où ça arrivait, l'arbitre forcerait un tag entre Jefferson et Vassal. Par contre, ben, on va le savoir de suite. Un gros avantage au niveau courage. Pardon. Il semble que non. Ben, bon moment pour Eva Summers qui se fait boucher le nez. Moi je vous dis qu'elle est enrhumée depuis le début. Non. La pauvre. Eloane qui doit sortir. Il fait froid à Aldison. Est-ce que vous êtes déjà allé à Aldison? Non. Mais attendez, parce que là, ce que vous avez souhaité est en train d'arriver. Hein. Je sais pas si je l'ai souhaité, je l'ai évoqué en tout cas. Fais tag un peu. Ouais, non, parce que déjà contre Eloane, le rapport de force est derrière. Ragnar qui a quand même. On peut pas s'en réjouir non plus. Eloane ou Ragnar, bon voilà, c'est pas de cadeau. Quoi. C'est la gifle ou la claque. Quoi. Ouais, il y en a quand même une qui fait. Oui, mais. 125 kilos et 1m90. Quoi. On va dire que c'est pas Eloane. Oui. Bon, par rapport à Eva Summers, c'est quand même. Oui. Sûr qu'on voyait bien le gabarit l'une à côté de l'autre. Je veux dire, regardez, Eva Summers, elle se cache derrière Eloane. Enfin, elle fait pas sprint. Hein, on s'entend. Elle est en train de se faire écraser. Elle est en train de se faire épuiser, là. Jefferson qui a même pas eu l'occasion d'entrer en ligne une seule fois. Mais qui. Essaye de se faire respecter, mais qui a un peu de mal hein, dans ce match par équipe. Et 4 personnes. 3 en l'occurrence, vu que Jefferson n'a pas fait grand chose depuis le début. Non. Il n'y a pas grand chose à faire là. Est-ce que Jefferson va même réussir à rentrer une seule fois dans ce match? Il est désespéré, le pauvre. Il sait pas quoi faire là. Elle est loin en plus. Elle est là, elle est au centre, mais elle est quand même beaucoup plus orientée sur le côté de Eloane, quoi. Enfin, de Eloane et Ragnar. Peine la tête à ce verre, je l'ai bâché un peu le match précédent, mais là, regardez, non! Oh là là! Oh non! Et esquive, ma pauvre, esquive! Oh là! Quel calvaire! Oh là là! Tombé, là, c'est terminé. 1, 2. Comment elle se Pourquoi? Pourquoi? Les réflexes. C'est... Regardez, elle sait même pas où elle est. Tu fais une pitié. Ah! Ah, réussi, ça y est! Allez, Jefferson! Eh, hey, Jefferson! Ah, t'as pas une femme! Parce qu'on se les arrange, mais. Hop. Non, par contre, elle! Elle gêne pas! Oh, fuck! Et le tag, Ragnar qui va rentrer! On touche pas à sa femme! Touche pas à sa femme! Eloane, on n'est pas prêt de la revoir! Ouais. Pas sa femme! Touche pas à ma femme, comme dirait Cyril Hanouna! Attention! Hop! Non! Pied, hein! Sur Ragnar qui se retrouve dans les cordes. Écoutez, il va s'essuyer les fesses sur le sol. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Jefferson? Tour! Super Mad Punch là! Ouais.
C'est un travail. Son record, Dragnar, le surpassement. Bon, en tout cas, je peux vous dire que... Ah bah, j'allais dire Eloine, on n'est pas prêt de la revoir, parce que c'est super qu'il m'a encore là. Elle est un peu drogué, hein. Je pense pas qu'ils vont faire un changement de suite, mais de toute façon, Ragnar maîtrise. Ce verso qui est en train de prendre un peu conscience, là. En plus, Ragnar lui demande qu'il est patron, la pauvre. Hein. Ça va pas les deux. Le coin. Le coin, voilà. Bon appétit. Le petit coin, là. George Dianasty, là. C'est vrai, hein. Adorer, déguster le coin, putain, dit comme ça. Paix à son âme, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il est décédé. Je ne vais pas enterrer trop vite au colis, quoi. Je suis pas sûr de cette info. Il me semble que oui. Ça, on ne pas me tromper. T'as regardez comment il tourne le trapèze. Oh là là, moi j'en ai pas, ça peut pas m'arriver, mais lui le pauvre. Oh bah, peut-être qu'il n'en aura plus après ce match. Hein. Bah non, en tout cas un au moins, mais. Le relais bloqué par. Allez, relève la projection. Ah non, oh la fin de projection. Alors là par contre, cette fois. Oh là, t'es mis. Oh ça a entendu commencer à claquer là. Si on parle pas en même temps, vous l'aurez mieux entendu, c'est vrai. Coup d'un bras. Tout, on fait notre métier. Oh là là, c'est tellement pervers quoi. C'est incroyable. Pervers. C'est dingue à ce niveau là. Oh ouais, attention, là, et regardez, c'est en train de se passer dans le dos de l'arbitre. L'arbitre qui a du mal à porter de l'attention partout. Hein. Ouais, c'est pas facile, hein. 4 catcheurs à gérer. Bon, c'est pas Eva Summers qui le. Pour le coup, le dérange. Je pense que c'est plus problème, effectivement. Ouais, puis là, là, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec Summers et Eloine. C'est-à-dire que quand si Ragnar se met entre l'action et l'arbitre, l'arbitre ne voit plus rien. Quoi. Oh là là. Vous avez vu comment il le jette, quoi. C'est... Yeah. Jefferson pour Ragnar, c'est quoi. C'est un petit déj, quoi. C'est aller en goûter. Hey, pourtant, tout à l'heure, il a failli se faire surprendre. Hein. Ouais, mais il a failli. Et ouais, il a failli seulement. Et l'intelligence a fait que. A 2 ici, mais toi. A E2, ça fait une pointure de quoi? 70, 80. Ah, Ragnar, il doit bien faire du 52. Facile. D'accord. Donc, ça va vite. C'est Eloine qui arrive. Jefferson qui tombe à genoux. Il tire même plus debout. Eloine n'était même pas prête à ce qu'il tombe à genoux. Ouais. Pour elle, il avait plus de résistance que ça. Toujours pas de tomber, hein, tenter de. Après toutes ces actions, là, il pouvait tenter un tomber. Et... Ouais, alors ça, par contre, là, c'est parfaitement illégal, ce qui se passe. L'arbitre est en train de compter. Si on comptait jusqu'à 5, on aurait encore eu de nouveau une disqualification. Jefferson, on se retrouve dans la même situation qu'Eva Summers tout à l'heure. De toute façon, quand on se retrouve dans le coin de Ragnar et d'Eloane, déjà c'est compliqué à en sortir. Mais ça me présage vraiment quelque chose de bon. Ah ouais, c'est vraiment compliqué. Et Ragnar, attention. Oh là là, il prend la vitesse et. Ah non. Bon, d'accord. Très sobrement. Moi je m'attendais à ce qu'il saute, qu'il explose. Oui, non, mais alors là par contre, je sais même pas si le ring aurait survécu. 2 Si le ring aurait survécu. Très beau nœud papillon de l'arbitre, hein. Depuis tout à l'heure, je l'ai pas souligné ça, mais alors là. En même temps, c'était pas le truc le plus important de la soirée ici. Si je m'abuse. Là, vous le voyez pas, mais j'ai clairement un nœud papillon. Alors, c'est pas vrai du tout, j'ai clairement un maillot du TFC, mais. C'est encore mieux. Oui, plus 15. Plus 15 pour moi. Plus 5 pour l'arbitre, plus 15 pour moi. Ça, t'es personne qui est en train de venir. Non, c'est bon. Tu regardes rien vu, mais Ragnar, mais. C'est l'échauffement. C'est vraiment, c'est. Petite balade quoi. Attention. Oh là. 1, 2. J'ai eu mal pour lui. Taille des cuisses de Ragnar, c'est quasiment le torse de Jefferson. Ouais, plus même. Hein. Il a découpé sur place comme ici à Gawa. Attention, rentrée d'Eloine. C'est putain, mais c'est sadique quoi. J'ai rarement vu un truc aussi sale. Quoi. Ouais. On se régale. Encore, hein, c'est de la même manière, plus ou moins, si je me souviens bien, qu'elle s'était fait disqualifier en attaquant Eva Summers dans les cordes. Cette fois-ci, elle a eu l'intelligence, ou la volonté en tout cas, de ne pas se faire disqualifier. Encore! Ils aiment beaucoup utiliser les cordes. Hein. Yeah. C'est-à-dire être entouré d'un pied d'Eloine ou Ragnar plus une corde, c'est pas. Et là, j'allais dire, Jefferson pourrait chercher à faire le tag, mais vu ce qu'a subi Eva Summers tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement le bon choix? Ah, elle a quand même le temps de reprendre un peu, parce mais bon, c'est vrai que. Deux.
Et oui, on rappelle que autant Jefferson a pu quand même lutter contre Ragnar, autant Eva Summers contre Eloane, à part en début de match. Contre Ragnar. Oui. Ah voilà, par exemple là. Ces moments 2 contre 1, quoi, ça a beau durer que 5 secondes. C'est trop, c'est trop. Regardez, bon. Oh là, c'est fini. Là, c'est fini. 1, 2. Faut arrêter, Jefferson. Oh, il est bazou. Faut arrêter de se dégager. Il adore ça, il adore ça, il adore ça. Regardez, Tarn, quelle idée. Il adore ça, il adore ça. Il ne tient même plus à genoux. Alors, debout, je laisse imaginer. T'as, franchement, qui t'a affronté, les tricheurs, et Vassemers vient. Là, tu lui, les couilles, là, c'est un truc. Monsieur. Franchement, là, c'est. Faut trouver une solution, quoi, je veux dire. Je me rappelle que Ragnar, il a été le couille de Jefferson dans le match précédent, qui est quand même relativement méchant, quoi. Oui, ouais. Relativement, je pense, vous pouvez l'enlever. Hein. Ouais. C'est méchant, quoi. Je sais plus comment réagir, la signe. Non, passage à tabac. Ouais, voilà, c'est un règlement de compte, littéralement, Jefferson qui ne peut rien faire. 1, 2. Quel enfer. Quel enfer pour Jefferson. Je suis pas sûr qu'accepter ce match par équipe était un c'est bon choix. C'est une bonne idée, non, pas du tout. Est-ce qu'on ferait pas plus en honneur quand même? Mais qui va aller chercher, qui va aller détrôner Ragnar? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une réelle question qu'on peut se poser. On aura peut-être la réponse dans attention, le prochain show. Hein. Attention, il revient. Faire le tag, c'est une erreur. Faire le tag, c'est une terrible erreur. Pourquoi? Pourquoi? Attention, franchement. Écrasement. Là, voilà, travailler à deux, là, c'est oui. Peut-être la solution. Mais non, évidemment. Même à 2 contre 1 contre Ragnar, c'est pas évidemment que non. Okay. Non, mais alors là, par contre, on a le sens des priorités. Sans de la cuisse. Frotter quelqu'un qui fait 2 fois son poids et sa taille et taper un twerk, quoi. C'est, Oui, non, mais évidemment. C'est quoi le projet? C'est le. Twerker pour qu'il ait eu des réactions et qu'il perde tout son sang dans l'érection. C'est quand même, ça fait lent comme début. Que Eloane s'attaque à lui à cause de ça, attention. Ah oui, mais non. Eh oui, mais non, Eva, il faut arrêter. Ça ne marche pas, ça n'a aucun effet. Il y a des Ragnar. Oh là là, non. Ah bon, les cheveux, non, très limite. Non, Ragnar. Oui, il faut arrêter. Avec non, faut arrêter. Ragnar, non. Mais non, il ne le fera pas. Il feinte. Oh oui, mais oui. Quel con. Excusez-moi, mais quel con. Excusez-moi, mais... Oh mon dieu, voilà. Ben oui, mais Ragnar. Oh, attention, Eloane qui va rentrer dans le ring. Oh mon dieu. Enfin, le coin s'est mangé, Eloane. Oui, peut-être. En l'occurrence, c'est Eloane qui a visiblement le plus subi. Attention, Jefferson. Jefferson, troisième corde. Le tag n'a pas été fait. Les deux genoux en avant. Oh mon dieu. Il va se masquer aussi, prendre de la hauteur. Et à partir peut-être pour son splash. Ça pourrait être terminé. Ça pourrait être la solution. Mais si, mais quelle incroyable surprise en tout attention, cas. Attention, splash sur Ragnar. Eloane qui est quand même en KO, 2 et 3 victoires. Non mais Eloane championne TPW là. Eloane, Eva Summer championne TPW là, elle vient de battre le champion quoi. Non mais quelle surprise. Ouais mais je vous avais dit hein, quand je disais quel con. En parlant de Ragnar, il a été trop confiant. Toi, il s'attendait pas. En fait c'était un diminutif de confiant, j'avais pas compris. Oui mais évidemment. Oh là là, mais quelle erreur de Ragnar. C'est incroyable. Et ça leur coûte la victoire hein. C'est incroyable. Regardez, Ragnar, c'est dans un état. Oui, KO. Le pauvre, il était enchaîné, quoi, un peu de temps, là. Pauvre, je suis pas sûr qu'il y a plein dans les... Oui, bah déjà, il repart avec des titres. Il bien la ligne, mais là, c'est bien. Et Jefferson qui garde quand même de bonnes places. J'espère que les deux auront un rematch pour le titre, quand même. Parce que là, il y a du mérite. Il est vrai. Bon, les amis, c'est terminé pour ce show. Malheureusement, déjà, on se quitte. On se retrouve pour le prochain classique. Et 8ème, on ne s'arrête plus. Pas de limite. À bientôt, à la prochaine. Au revoir. Et ce soir, c'était qui les patrons? Jefferson! Et ça
partenaire.